Oh oui, bienvenue tout le monde à l'addendum au Mercronce. Puis 151, Jean-Jacques Rousseau du Contrat social. On accueille Dominique Barry Tremblay pour un quoi, trois, quatrième dossier en Arconomics. Ouais, quatrième, je pense. Quatrième, hein, Ouais. toujours très intéressant. Notre spécialiste des MLM qui va Aussi. nous parler d'autres choses aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, je suis venue vous présenter ma thèse parce que, en gros, pour faire une histoire courte, j'ai terminé mon aventure doctorale le 9 juin dernier, alors que j'ai soutenu ma thèse à la Sorbonne en économie de la santé. Puis aujourd'hui, je viens vous résumer mes recherches. Je suis économiste de la santé, je sais faire des analyses coûts-bénéfices, mais mon expertise se situe à la frontière entre l'économie puis l'épidémiologie, ce qui s'appelle l'épidémio-économie. Tabarnak, hein? Ouais. Vous devez pas être 120 000 quand vous faites vos réunions de département. Ah non, 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 hein, non. On est peut-être quoi, trentaine, quarantaine dans le monde? ça... Calvaire. Puis t'es allé à la Sorbonne quand même, hein? Il me semble que c'est big, ça. Oui. Félicitations, parce que c'est une réussite, c'est mérité. Merci. Fait de quoi qu'on parle? Donc, je t'ai demandé de commencer mes acétates, s'il te plaît. Donc, aujourd'hui, j'ai appelé mon addendum l'épidémio-économie. Tentative subtile de vous parler de mes travaux de recherche de façon aussi ludique que possible. On s'entend, c'est de l'économie, fait que c'est aussi drôle qu'un économiste. Ça peut pas être plus drôle que l'économiste qui en parle. Donc, Excellent. voilà. Dans le fond, j'ai commencé moi mes études en économie. J'ai fait un bac à l'Université Laval, puis je suis venue à Montréal pour faire une maîtrise en économie. J'avais commencé une maîtrise avec une spécialisation en économétrie, qui est la science statistique de l'économie. Puis je m'enlignais vraiment, vraiment pas pour l'économie de la santé. Honnêtement, je m'enlignais pour pas grand-chose là. J'étais juste là parce que c'était la prochaine étape. Puis j'avais pas de passion en économie. T'avais-tu une facilité, ce qui expliquait pourquoi tu avais suivi ces Oui, étapes-là? j'avais de la facilité, mais c'était plus, je savais que l'emploi m'intéressait moyen, les emplois disponibles avec juste un bac m'intéressaient pas autant que les emplois disponibles avec une maîtrise. Donc je me suis dit, il faut que je fasse la maîtrise. Puis le sujet de maîtrise, c'était pas clair. Ce que je voulais faire, j'étais pas certaine, mais puis finalement, je suis tombée sur un article de Marcus Hermann et Gérard Godet qui faisait de l'épidémio-économie. Et là, j'étais hook. Ça fait maintenant 10 ans que je consacre ma vie à ce sujet-là. Puis chaque matin, pour moi, c'est un bonheur me lever juste pour pouvoir travailler sur mes recherches. Wow, hein? Puis Donc, ça, c'est un article qui est arrivé comme sur le tard en plus dans ton processus. Puis c'est un article que j'ai trouvé sur une table à la bibliothèque. Oh, wow, gros genre fortuit, ouais là. ouais genre il Ah. traînait là, puis là ben je l'ai feuilleté pour le fun, puis là je trouvais que les équations étaient belles. Moi, il y a cette affaire-là, Voilà. l'espèce d'élégance, hein, Ouais. qu'on retrouve dans ces affaires-là. Oui, Puis ça, je suis là finalement d'accord. j'ai décidé de le lire au complet, puis voilà, depuis je travaille sur ce sujet. Ah ben, Colin, la Ouais. genèse, y avait-tu comme une espèce de petit rayon de lumière qui tombait Non, non, dessus? non. Un oiseau qui est allé se poser sur Non, le... heureusement, il n'y avait pas Il y avait d'oiseau à la rien. bibliothèque. Écoute, j'essaye, peut-être ça aurait fait le moineau, là, qui Non, est... non, vraiment pas. OK. Ça a juste Donc, été gros fortuit, ça arrive de gros même. fortuit. Puis, ben, c'est ça. Donc, j'ai décidé. Parce que quand j'ai commencé les addendums, Tommy m'a dit, je veux que tu viennes me parler de quelque chose qui te passionne. Puis, tu sais, j'ai énormément de passion dans la vie. Je pourrais autant vous parler de rugby universitaire, que je pourrais vous parler de tricot, que je pourrais vous parler de MLM, que je pourrais vous parler de conspi, que je pourrais vous parler de. Mais à la fin de la journée, si je cherche la passion qui me fait le plus vibrer, c'est l'épidémio-économie. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de venir vous en parler, même si c'est particulièrement aride comme sujet. Ben Mais parfait. ça peut pas être pire que mon sujet Avec avec Stéphane, Stéphane. Ouais, celle-là, c'était. l'épistémologie, ça avait brossé L'épistémologie, c'était intéressant. quelque chose. Ouais. OK. Donc, voilà. Je vais vous mettre en contexte c'est quoi l'épidémio-économie. Je vais vous décrire c'est quoi les modèles épidémiologiques. Un modèle épidémiologique que vous avez entendu parler durant la pandémie, qui est le SIR, CIR. Puis finalement, je vais survoler les 3 articles de ma thèse. Donc, si ça vous convient, tout le monde dans le chat, on embarque puis on part. Patard. Ciao! Donc, comme je vous disais, ouais, ça, c'est ma page titre de thèse.
Il n'y avait rien d'intéressant sur ça, juste vous dire que... Que ça existe. Ça existe. Puis, Panthéon, Sorbonne, hey, t'as, maintenant que ça fait sérieux, là. Un jour, je vous raconterai pourquoi j'ai fini là. Dans un prochain addendum, je viendrai vous expliquer comment j'ai fini là. C'est OK. Ben moins oui. glorieux que ça en a l'air. Hop. Donc, OK. On peut passer à la cétate suivante. T'as juste à me dire next. OK, next. Non, pas tout de suite, là. On se concentre. L'épidémiologie, c'est à la frontière entre l'économie et l'épidémiologie. Donc, je vous ai déjà parlé, c'est quoi l'économie, fait que on va passer vite là-dessus. L'économie, ça rassemble les activités humaines tournées vers la production, l'échange, la distribution, la consommation de biens et services. Tommy, c'est quoi le mot-clé qui regroupe ces quatre éléments-là? Je dirais le commerce. Production, échange, distribution. C'est pas une mauvaise réponse, mais la bonne réponse que je cherche, c'est choix. Parce qu'on fait des choix de production, ouais, on fait des choix d'échange, oui. On fait des choix de distribution, puis on fait des choix de consommation. Oui. Et c'est là aussi que la loi de l'offre puis la demande se jauge aussi, c'est tout lié aux choix. C'est tout des choix qu'on fait. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est que les gens vont souvent penser que l'économie, c'est la science de l'argent, mais ça ne l'est pas. C'est la science des choix. Donc, ça va devenir important plus tard parce qu'on va être capable... Oui, évidemment, la monnaie, l'argent est une bonne façon de quantifier ou d'évaluer des choix. Sauf qu'il va y avoir d'autres choses plus tard. Next. Donc, maintenant, qu'est-ce que l'épidémiologie? L'épidémiologie, c'est une discipline scientifique qui étudie les problèmes de santé dans les populations humaines, leur fréquence, leur distribution dans le temps et dans l'espace, ainsi que les facteurs exerçant une influence sur la santé et les maladies des populations. En bref, ouais, next, Tommy, déjà. Ça s'est rendu un petit peu plus compliqué. Oui. Non, peut-être pas, en tout cas. Fait que, en bref, alors que le médecin s'intéresse à comprendre et soigner le patient qui est devant lui, l'épidémiologiste va s'intéresser à l'évolution de l'infection puis au moyen de la ralentir. Fait qu'on va avoir, les épidémiologistes vont avoir un regard plus global de la situation, alors ouais. que les médecins vont avoir un regard très ciblé. Puis là, ici, petite note éditoriale de toutes mes colères de la pandémie. Excuse-moi, ça m'a surprise. C'est... un peu inutile de demander à un médecin l'effet des mesures sanitaires sur l'évolution de la pandémie. Ben oui. C'est pas son domaine. Je demande pas à un pilote de m'expliquer les avantages et les inconvénients d'un design aéronautique, comme je demande pas à un ingénieur de piloter l'avion. Voilà. Fait que, chers médias, demandez aux bonnes personnes, s'il vous plaît. C'est fâchant. C'est vrai. Merci. Donc, next. Fait que si, on a Jon Snow. Il a vieilli à droite, genre? Non, il y en a un que c'est un personnage de Game of Thrones. OK. L'autre, c'est un épidémiologiste. OK. Donc, voici. Fait que... Oui, Alex Deb, j'avais un de tes dessins dans mon cahier de travail. Ton collant. Donc, je vais... À chaque fois que je parle d'épidémiologie, parce que l'épidémiologiste, est un des pères fondateurs de l'épidémiologie. OK. Sauf que si vous googlez Jon Snow... Ça va être dur à trouver. Ça va être vraiment dur à trouver quelque chose sur le vrai Jon Snow et non pas sur le personnage. Même si tu fais... Parce que Jon Snow, le personnage, c'est sans H, le vrai. Mais non, il n'y a rien à faire, vous allez... Donc, c'est vraiment, vraiment fâchant. Fait que j'essaie de rétablir les faits. Jon Snow est un épidémiologiste. J'aime... Puis d'ailleurs, peut-être pour un indice, pour s'en rappeler, il y en a un des deux qui sait rien... Puis c'est pas celui qui était épidémiologiste, on pourrait dire ça comme ça. Exactement. On s'en va vers un clip. Ça va être, dans le fond, plutôt que de vous expliquer moi-même toutes les origines de l'épidémiologie, vous allez avoir un petit clip qui est fort sympathique. Bon, un peu trop français, mais quand même. OK, je vous spoil tout de suite. Jon Snow est mort. Il est mort le 16 juin 1858 à Londres. Bien sûr, je ne suis pas en train de vous parler du Jon Snow de Game of Thrones. Non, je vous parle de Jon Snow, médecin anglais du 19e siècle, qui, même s'il n'est pas aussi beau gosse que Kit Harington, est un héros à sa façon. Il est le héros d'une spécialité médicale que peu de personnes connaissent qui s'appelle l'épidémiologie.
Et lui, il n'affrontait pas les marcheurs blancs à Westeros. Non, il affrontait la mort bleue à Londres. Croyez-moi, vous n'avez aucune envie d'aller vivre au 19e siècle à Londres. Bien évidemment, c'est une période qui fait souvent rêver, l'ère victorienne, la construction de Big Ben, la révolution industrielle, le palais de cristal. Ouais, seulement il y a des tas de choses à Londres à cette époque que aujourd'hui vous considériez comme parfaitement acquises, mais qui ne le sont pas du tout. Admettons que vous êtes un londonien classique et vous avez envie de vers 17h de vous faire un thé. Il paraît que c'est ce que font les Anglais. Pour cela, il vous faut de l'eau. Et l'eau, vous la trouvez où? Eh bien, dans les quartiers pauvres, les gens n'ont pas l'eau courante, donc en général, ils vont se servir de l'eau à une pompe qui se situe à quelques rues de chez eux, et ils doivent ramener l'eau chez eux. Si vous avez la chance d'habiter dans un logement plus récent, vous avez l'eau courante, mais au début du 19e, vous ne l'avez pas tout le temps, hein. Vous l'avez que 2-3 heures par jour, et puis c'est une eau basse pression, vraiment pas terrible, quoi. Et puis cette eau, c'est une eau comment? C'est une eau propre, filtrée, traitée, nickel, quoi. Pas du tout. L'eau de Londres à cette époque est une eau qui est pompée directement dans le fleuve londonien, la Tamise. Et à cette époque, la Tamise est un égout à ciel ouvert. Bah oui. Et quand je dis égout à ciel ouvert, croyez-moi, j'exagère pas vraiment. Hein. Les témoignages de l'époque décrivent l'eau de la Tamise comme un flot lent de boue mélangée à des excréments, mélangée à des carcasses d'animaux et des déchets biologiques et industriels. Pour expliquer cet état de la Tamise, il faut comprendre plusieurs choses. À partir de 1815, on a autorisé les égouts de la ville à être déversés directement dedans. En 1815, ça va encore. Le problème, c'est qu'entre 1800 et 1850, la population londonienne s'est vue augmenter de 1 million d'habitants. Ah ! C'est pas pareil. Mais il faut savoir qu'il y a aussi une innovation technologique qui a vraiment foutu la Tamise dans la merde. Jusqu'au milieu du 19e siècle, si vous faisiez caca à Londres, en général, vous mettiez vos excréments dans ce que l'on appelle une fosse d'aisance. Il s'agit d'un trou, en général creusé dans le fond du jardin, dans lequel on balance tous les déchets organiques. Ces déchets étaient récupérés par certains professionnels qu'on appelait des nightmen et qui amenaient vos excréments à la campagne où ils pouvaient servir d'engrais. Le problème, c'est que vers 1848, une nouvelle technologie apparaît. On se met à utiliser des engrais à base de guano. À partir de là, l'intérêt de déménager les excréments humains de la ville à la campagne commence à se perdre et les nightmen demandent de plus en plus cher. Dans les années 1840, ils demandent jusqu'à 1 shilling pour venir vidanger vos fosses d'aisance. Et ça, dans les quartiers pauvres, eh ben le shilling, on l'a pas. Le résultat, c'est que les fosses d'aisance se mettent progressivement à déborder. Tant et si bien qu'au bout d'un moment, l'administration de la ville de Londres autorise à ce que l'on vide les fosses d'aisance directement dans la rue. Et à ce moment-là, le contenu des fosses se déverse le long des rues et finit lui aussi dans la Tamise. La situation sera d'ailleurs particulièrement critique à l'été 1858 pendant un événement de l'histoire anglaise que l'on appelle la Grande Puanteur. Les fortes températures à Londres à cette époque font que la ville pue, mais d'une façon absolument incroyable. Les députés se retiennent même de siéger tellement l'odeur est atroce. La reine était censée faire une petite balade sur la Tamise, annulée, ça puait trop. Et c'est donc cette eau-là que la plupart des Anglais boivent non traitée et quasiment non filtrée. Certaines personnes disent que les Anglais mangent de la merde. Bah, une chose est sûre, c'est qu'à cette époque, ils en boivent. Bon, ok, à Londres ça pue, mais le 19e siècle, c'est pas que ça. C'est aussi le siècle des grandes épidémies de choléra, qui vont tuer des centaines de milliers de personnes en une centaine d'années. Le choléra est une maladie infectieuse, c'est-à-dire à base d'un petit germe, une petite bactérie que vous pouvez attraper, à transmission orofécale. Alors, transmission orofécale, ça veut exactement dire ce que vous pensez. C'est-à-dire qu'en gros, oro la bouche, fécale le caca. Pour attraper cette maladie, il faut d'une façon ou d'une autre manger de la merde. Attends, il paraît qu'il y a 2 ou 3, 4 cholérans en Irlande. Quoi? Vous déconnez? Qu'est-ce que je disais? C'est l'hygiène, ça. Les Irlandais, ils sont cradingues, comme pas permis. Alors, en général, pas directement. Hein. C'est de l'eau contaminée, des aliments contaminés, ou des aliments qui ont été lavés avec de l'eau contaminée, bref. Le choléra est donc dû à une petite bactérie appelée Vibrio cholerae qui, une fois que vous l'avez avalée, se développe dans vos intestins et va sécréter une substance, la toxine cholérique. Et la toxine cholérique, elle va vous donner la diarrhée. On coule du nez quand on a le choléra? Non, ça fait pas couler du nez, ça donne la diarrhée. Une diarrhée qu'on dit eau de riz, c'est-à-dire que c'est quasiment de l'eau avec un petit peu de déchets dedans. Mais quand je vous dis diarrhée, je vous parle pas d'une petite diarrhée genre la gastro que vous avez eue l'année dernière. Hein. Non, non. Je vous parle d'une véritable chiasse monumentale. Hein, les patients pouvaient perdre jusqu'à 1 litre de liquide par heure. Hein, vous imaginez, en une journée, vous pouviez perdre jusqu'à 20 litres d'eau.
Avec un débit de diarrhée pareil, en général, les patients mouraient assez vite. Ils mouraient de déshydratation aiguë. Et au passage, il leur arrivait de devenir tout bleu, c'est-à-dire ils devenaient tout cyanosés. C'est pour ça qu'on parle en anglais de mort bleue. Et qu'en français, ça a donné l'expression « avoir une peur bleue ». Alors aujourd'hui, soigner le choléra, on sait très bien le faire. Si la principale cause de décès, c'est la déshydratation, eh ben, on lutte contre la déshydratation. On donne à boire. Avec un peu de sel. On ne va pas rentrer dans les détails. Si vraiment les patients ne vont pas bien, on peut aussi leur mettre une perfusion et peut-être les mettre sous antibiotiques. Mais à l'époque, les choses sont un petit peu différentes. Ben oui, on donnait le poison de marbre à boire. La théorie principale pour expliquer le choléra au milieu du 19e siècle est ce que l'on appelle la théorie des miasmes. La théorie des miasmes est une vieille théorie d'Hippocrate. Et comme souvent avec les théories d'Hippocrate, c'est un peu naze. Cette théorie explique les maladies comme le choléra ou la peste comme étant dues à la pollution de l'air. Miasme, ça veut dire pollution. En fait, les maladies seraient dues aux mauvaises odeurs, à la puanteur issue de matière en décomposition. Vous le respirez et vous attrapez la maladie. Alors, le problème avec la théorie des miasmes, en dehors du fait qu'elle soit parfaitement fausse, c'est qu'elle manque deux trucs pour pouvoir comprendre et essayer de lutter efficacement contre le choléra. Premier élément, le mode de transmission est décrit comme étant « aéroporté », entre guillemets, c'est-à-dire c'est l'air qui transporte la maladie. Or, dans le choléra, je vous l'ai dit, hein, c'est l'alimentation ou l'eau. Donc en fait, si vous voulez prévenir le choléra en essayant de prévenir les mauvaises odeurs, vous allez vous planter. L'autre souci qui manque dans cette théorie, c'est la contagiosité. En effet, si la théorie des miasmes est juste, les maladies se transmettent parce que vous respirez des mauvaises odeurs qui sont dues à votre environnement. C'est quoi le nom de ce YouTuber-là? Je vais tomber malade. Et donc, vous n'arrivez pas à percevoir qu'un individu Facteur A peut alpha. Transmettre la maladie à un individu Facteur B. Alpha. Ce qui est dommage parce que ça aide quand même un petit peu à comprendre ce genre de maladie. La bonne théorie pour comprendre un petit peu le choléra, c'est bien évidemment pas la théorie des miasmes, mais c'est la théorie des germes. C'est une théorie qui dit qu'il existe des petites bêtes qui peuvent être dans l'air, dans l'eau et qui peuvent vous transmettre des maladies. C'est une théorie qui a déjà été énoncée, notamment par Girolamo Fracastoro en 1546. Mais à cette époque, et notamment pour les maladies épidémiques comme le choléra, elle n'est pas retenue comme étant très pertinente. Le résultat est bien évidemment qu'au 19e siècle, des traitements efficaces contre le choléra... C'est risque alpha. Personne n'en a. Les médecins se sentent un petit peu démunis. Alors on peut trouver des listes ou des kits de médicaments nécessaires pour traiter des personnes du choléra. Alors qu'est-ce qu'on leur donnait? On pouvait leur donner du laudanum. En fait, c'est de l'opium. Alors c'est vrai que ça peut être un antidiarrhéique, mais là, dans le contexte, ça ne marche pas. Donc juste, ça les défonçait avant qu'ils puissent mourir. On pouvait leur donner des tisanes à la camomille. Oui, à la limite, ça hydrate un peu, pourquoi pas. On pouvait leur faire des emplâtres à la moutarde. Ne me demandez pas, je sais pas. Et puis, bien évidemment, le grand classique des soins de l'époque, on pouvait leur faire des saignées. La saignée, c'est aussi un traitement... C'est un médecin de la santé publique. Vraiment, Hippocrate, hein. En fait, dans l'idée, dans ce qu'on appelle la théorie des humeurs, issue d'Hippocrate, les maladies pouvaient être dues à ce qu'on appelle un mauvais sang. Et du coup, il paraissait logique de se débarrasser de ce mauvais sang en ouvrant les veines des patients et en les faisant se vider. Ah, la douce époque. Dans le cas du choléra, c'est assez ironique, parce que le patient va mourir de déshydratation, donc de manque de liquide, et le traitement de la saignée consiste donc à le vider d'encore plus de liquide. Bah oui. Hein, bon, le résultat, c'était que ça le tuait, bien évidemment, encore plus vite. Bah oui. Mais, petite note un petit peu folklorique, il faut quand même reconnaître que les traitements de l'époque étaient originaux. Le traitement par saignée du choléra à l'époque consiste à mettre des sangsues tout autour du cul des patients. Parce que oui, ben c'est un truc digestif, donc le mauvais sang il doit être quelque part au niveau des intestins. Donc on place des sangsues tout autour de l'anus. Voilà, donc vous mouriez plus vite et avec des bestioles absolument immondes autour du fion. Bon, vous comprenez le concept, hein. Vous avez une maladie qui se transmet en mangeant des excréments et pendant ce temps-là, à Londres, tout le monde se la joue Two Girls One Cup version grande échelle. Évidemment, ce qui devait arriver arriva, le choléra parti d'Inde va arriver à Londres pour une première épidémie dans les années 1830 qui va faire à peu près 6000 à 7000 morts et va revenir ensuite dans les années 1840 en faisant à peu près 15000 victimes. Bon, mais à Londres, il doit bien y avoir des médecins qui essaient de guérir cette maladie et qui essaient de faire quelque chose en dehors de mettre des sangsues sur le cul. Oui, absolument. Mais on appelle quel genre de médecin pour soigner ce genre de maladie? Un gastrologue qui s'occupe des intestins? Ouais, pourquoi pas, mais le gastrologue, il va venir, il va tâter votre ventre, écouter voir s'il y a des bruits, mais il va essayer de comprendre les symptômes par rapport à vous, vous qui êtes un individu unique. Non, il faudrait plutôt un médecin qui essaye de s'intéresser à la situation au niveau de la population de la ville, du pays ou d'un quartier. Il faudrait un médecin plus spécialisé là-dedans, un infectiologue. Le problème, c'est que la théorie des miasmes est celle qui gagne à l'époque, hein, et la théorie infectieuse, la théorie des germes, je vous l'ai dit, ça marche pas. Non, il faudrait un médecin spécialisé dans les épidémies.
un épidémiologue. On a le cardiologue, gastrologue, pneumologue, épidémiologue. Alors épidémiologue, on ne le dit pas trop, hein, on a plutôt hérité du terme anglais, donc on dit épidémiologiste. Et des épidémiologistes à Londres à cette époque, il y en a. Il y a notamment William Farr. William Farr est l'un des pères des statistiques médicales. Le regard de Guillaume. William Farr, donc, il fait de l'épidémiologie, mais c'est-à-dire comment ça fait de la médecine un épidémiologiste. Parce que bon, je peux utiliser mon stéthoscope. Adams. Pour étudier toute une ville, je ne suis pas sûr que ce soit hyper pertinent. C'est pas grave, là, c'est un génie de l'époque. Ça ne devait pas être plus facile d'être un génie à cette époque-là. Non, un épidémiologiste, ça compte les morts. Je n'ai pas de définition plus simple de l'épidémiologie, hein, mais croyez-moi, elle est plutôt intéressante. Faire de l'épidémiologie, c'est compter les morts. Et c'est exactement ce que fait William Farr. Il compte les morts. Alors, il ne les compte pas en général, sinon c'est de la comptabilité. Hein. Non, il essaye d'identifier quelles pourraient être certaines zones à Londres dans lesquelles il y a plus de morts qu'à d'autres endroits. Il trouve notamment quelque chose d'intéressant. Il remarque que les taux de décès et le taux de choléra n'est pas le même selon que vous viviez au niveau de la mer ou si vous vivez plus en altitude. Pour lui, c'est tout à fait logique, parce que William Farr est un fervent partisan de la théorie des miasmes. Et dans la théorie des miasmes, je vous l'ai déjà dit, mais la maladie est due à des effluves, des émanations issues du sol, hein, de la matière en décomposition. Ah. Donc ça reste près du sol. Et ouais. Plus vous vous élevez, plus vous êtes protégé des miasmes, et donc vous n'êtes pas malade. Bon, bien évidemment, William Farr avait tort. Il a confondu corrélation et causalité. Ouais. On reverra ça. Et c'est là qu'intervient notre héros. John Snow. Kaplan. John avec un H. John Snow est donc un médecin anglais de cette époque. Il est né en 1813 et il est plutôt connu parce qu'il est anesthésiste. Il est notamment très connu pour être l'un des pionniers de l'anesthésie obstétricale, c'est-à-dire le fait d'endormir les femmes pendant qu'elles accouchent. Alors pas forcément endormir, mais au moins les anesthésier. Il pratiquait notamment des anesthésies avec du chloroforme qu'il faisait respirer aux femmes pendant l'accouchement. Alors l'accouchement au chloroforme, c'était délicat, hein, parce que trop de chloroforme, les gens avaient tendance à mourir. Pas assez de chloroforme, les gens avaient tendance à pas être anesthésiés. Il invente un masque qui permet de faire respirer des doses de chloroforme bien dosées, et il est célèbre pour avoir fait accoucher en 1853 la reine Victoria de son 8e enfant, le prince Léopold. Mais John Snow, il s'intéresse aussi de près au choléra. Bon, faut remarquer qu'une maladie qui tue 15 000 personnes en quelques années comme ça de diarrhée explosive, à mon avis, il devait y avoir beaucoup de médecins qui s'y intéressaient. En tout cas, pour lui, le choléra, ça colle pas cette histoire de miasme. Il y a trop de détails qui ne collent pas. Par exemple, pour John Snow, si la maladie est due à des effluves que l'on respire, pourquoi les premiers symptômes ne sont pas respiratoires? Pourquoi est-ce que les patients n'ont pas du mal à respirer ou ils toussent pas? Non, ils ont la diarrhée, ça n'a pas de sens, ça doit être quelque chose qu'on avale. John Snow commence à avoir l'idée que, en fait, la maladie est due à l'eau. Il a d'autres indices qui lui font penser ça. Par exemple, à une époque, John Snow a travaillé avec des mineurs. Non, les gens dans les mines de charbon, pas les enfants. Et il a remarqué qu'au fond des mines, eh bien, les mineurs avaient tendance à attraper le choléra. Et dans la théorie des miasmes, c'est pas censé se produire. Les miasmes, normalement, c'est de la matière en décomposition. Au fond des mines, il n'y en a pas. Par contre, les conditions d'hygiène ne sont pas terribles. Il a aussi remarqué un cas particulier d'un patient qui était décédé du choléra dans une chambre d'hôtel qui sentait bon au demeurant, qui n'était pas particulièrement puante. Et donc, il n'y avait aucune raison qu'il attrape le choléra. Et puis, chose étonnante, le locataire d'après, qui s'est installé quelques jours après le décès du premier, a lui aussi attrapé le choléra, et lui aussi en est mort. Alors que logiquement, ça sentait toujours bon, il n'y avait pas de raison qu'il l'attrape. Du coup, en 1849, John Snow écrit un pamphlet médical sur la transmission du choléra, où il va décrire son idée qu'en fait, le choléra est transmis par un poison présent dans l'eau. Tout le monde s'en branle. Je veux dire, des pamphlets du genre, il y en avait des tonnes et tout le monde s'en fiche. Mais John Snow va avoir très vite une autre occasion de s'intéresser au choléra. Le 31 août 1854 éclate dans le quartier de Soho, juste à côté de là où travaillait John Snow, une épidémie extrêmement violente de choléra, qui va en seulement 3 jours tuer 127 personnes et en une dizaine de jours tuer à peu près 500 personnes. John Snow va alors mener une véritable enquête épidémiologique, c'est-à-dire il va compter les morts. Pour cela, il va prendre une carte de Soho et il va parcourir tout le quartier en frappant aux portes et en demandant aux gens eh bien, à quelle pompe d'eau ils boivent et est-ce qu'ils sont morts ou non du choléra. Alors, pas eux bien sûr, mais leur famille. Il va réussir à dessiner une carte sur laquelle il représente par des petites barres noires les personnes décédées du choléra. Et il représente également sur cette carte les différentes pompes qui peuvent exister dans le quartier. John Snow remarque aussitôt que tous les décès semblent tous réunis autour d'une seule pompe, la pompe de Broad Street. Un peu comme si, eh bien, c'était l'eau issue de cette pompe qui était responsable de l'épidémie de choléra.
En plus, 2-3 trucs semblent lui donner vraiment raison. Hein. Il y a un camp de travailleurs qui a sa propre source d'eau, dans laquelle il n'y a quasiment pas de décès. Logique, ils n'ont pas eu besoin d'aller à la pompe de Broad Street. Et il y a une brasserie où on fabrique de la bière, où, paraît-il, les travailleurs ont droit à de la bière illimitée. Bon, si je vous dis ça, maintenant, vous allez avoir envie d'aller vivre au 19e siècle. Disons que très certainement, la brasserie avait sa propre source d'eau. Et chez eux non plus, quasiment pas de décès du choléra. Donc tout semble bien clair et net, c'est bien cette pompe qui est responsable de l'épidémie de saut. Jon Snow demande alors aux autorités anglaises de couper la pompe, ce qu'elles font. Et aussitôt après, l'épidémie s'arrête. Bon, vous dites, là c'est la preuve, ça y est, c'est bon, si l'épidémie s'est arrêtée après qu'on ait coupé la pompe, et puis en plus la carte, je veux dire, c'est clair. C'était bien l'eau qui était responsable. Et ouais, mais en fait, personne n'est convaincu. Jon Snow, le premier, n'est pas convaincu d'ailleurs. Le truc, c'est que les trois quarts de la population de Soho, ben, elle a des carrés. Bah, je sais pas vous, vous essayez d'imaginer un petit peu, en trois jours, vous avez 127 de vos voisins qui meurent de diarrhée explosive. Et puis en plus, tout le monde vous explique que c'est parce que c'est le mauvais air, c'est parce que ça pue, etc. Donc, en gros, vous dégagez. Hein. Donc en fait, il n'y a plus grand monde à Soho à tuer, donc l'épidémie se serait arrêtée de toute façon, qu'on ait coupé la pompe ou pas. Et puis les arguments de Snow n'ont pas convaincu parce que la théorie des miasmes reste quand même la plus forte. Mais Jon Snow ne lâche pas l'affaire pour autant, il est du genre pugnace. Il va réaliser ce que l'on appelle en épidémiologie une expérience naturelle. En fait, vers la fin des années 1840, les autorités londoniennes ont demandé aux grandes compagnies de fourniture d'eau de Londres de déplacer leur station de pompage en amont de la ville, afin qu'au moins l'eau pompée soit pas dégueulasse à cause des égouts londoniens. Le résultat, c'est que certaines compagnies l'ont fait, comme par exemple la Lambès, qui a même mis au point un système de filtration de l'eau, et d'autres, eh bien, soit l'ont pas fait, soit l'ont pas fait suffisamment, comme la Vauxhall, qui continue de pomper de l'eau assez dégueu. Jon Snow se dit alors que si sa théorie est juste, les gens qui boivent l'eau polluée issue de la compagnie Vauxhall devraient plus avoir tendance à mourir du choléra que ceux qui boivent de l'eau issue de la Lambès. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va compter les morts, il fait son boulot d'épidémiologiste. Et ce qu'il va remarquer confirme parfaitement sa théorie. Chez les gens qui boivent de l'eau à la Vauxhall, on dénombre pour 10 000 maisons à peu près 315 décès dus au choléra, contre seulement 37 chez les gens qui boivent de l'eau à la Lambès, et ce pendant une période d'épidémie. Cette fois-ci, pour Jon Snow, les choses sont vraiment claires. C'est bien l'eau qui est le vecteur de transmission du choléra. Et pourtant, Jon Snow, il a un gros problème. Les miasmes. Le problème de Jon Snow, c'est que... You know nothing, Jon Snow. Bah ouais, fallait passer par où, hein? Quand même, j'ai réussi à mettre un truc de Game of Thrones. Bon, mais au fond, c'est bien ça le problème de Jon Snow. C'est qu'il ne sait rien. Les fameuses petites bactéries ou les petits germes qui seraient présents dans l'eau et qui donneraient le choléra, Jon Snow a bien essayé de les observer au microscope pendant l'épidémie de Soho, mais il n'a rien trouvé. Et puis il donne aucune explication sur comment fonctionnent les intestins, comment fonctionne la diarrhée, bref, pourquoi les gens ont le choléra. Non plus. Tout ce que Jon Snow a fait, c'est trouver une relation entre la consommation d'eau et puis la maladie, et encore pas chez un individu, mais chez une population, et puis tout ça avec des tableaux. Enfin, je peux vous assurer qu'à l'époque, ça marchait pas du tout, hein, c'était pas du tout convaincant. En fait, c'est le problème de l'épidémiologie. L'épidémiologie ne donne pas de réponse mécanique, l'épidémiologie ne donne pas de réponse physiologique sur le fonctionnement d'une maladie. C'est sa malédiction. Et en même temps, c'est son point fort. Parce que l'épidémiologie peut permettre de confirmer et de dire des choses alors même qu'on n'y comprend rien. Et ça, c'est pas inintéressant, et durant le XXe siècle, ça va permettre aux médecins de construire une nouvelle façon de faire de la médecine. Une médecine qu'on appelle l'evidence-based medicine. Mais on en parlera plus tard. Donc Jon Snow n'a convaincu personne, et en 1858, il meurt d'un accident vasculaire cérébral chez lui alors qu'il écrivait un article sur le choléra. Pour donner raison à Jon Snow, il va falloir attendre quelques années. Il a essayé de vaincre le choléra toute sa vie, mais c'est le choléra qui l'a eu. Non, c'est un article sur le choléra. C'est la même affaire. Ok, excuse-moi. Et enfin Robert Koch, qui en 1883 va finir par observer au microscope Vibrio cholerae et avoir la confirmation finale que le choléra est bien dû à une bactérie et non au miasme. Voilà, ainsi s'achèvent les aventures de Jon Snow, le vrai. Ça fait à peine 150 ans. Et ça m'attriste toujours quand je tape Jon Snow sur Google, même avec la bonne orthographe, avec un H, de tomber systématiquement sur des photos de Kit Harington. En fait, c'est très bien, je suis un grand fan de Game of Thrones, mais
quand même. Ah oh, oui, hein? Jon Snow, il avait la classe. Non, bon, quelques petites notes avant de finir. Je vous ai dit que celui qui avait découvert Vibrio cholerae, c'était Robert Koch. Surtout dans l'intimité, en fait, fan de Game of Thrones. Celui qui a découvert Vibrio cholerae, c'est Filippo Pacini. Salut, moi. Et chose ironique, il l'a découvert en 1854, l'année de l'épidémie de choléra de Sceaux. Il y a peu de chances que Jon Snow ait été au courant des travaux de Pacini. Mais Pacini n'a pas réussi à convaincre les gens non plus à cette époque, de nouveau parce que les gens préféraient croire à la théorie des miasmes. Ah, bon, mais alors, au final, il s'est passé quoi à Sceaux? Parce que, bien évidemment, si vous avez bien suivi, si la Tamise est coupable parce que l'eau est polluée et qu'elle peut transmettre le choléra, tous les réservoirs des 30 litres de flux dans la rivière, pourquoi juste une seule? C'est finement observé, c'est bien. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'eau des différentes pompes était plutôt propre. C'était pas trop un souci de choléra. Mais la pompe de Broad Street était située juste à côté d'une fosse d'aisance. Et cette fosse d'aisance avait une fuite. Or, il s'avère que juste avant le début de l'épidémie, un jeune enfant avait été atteint du choléra et sa mère avait jeté dans la fosse d'aisance une couche souillée par des excréments contenant le choléra. Les bactéries se sont développées dans la fosse d'aisance, ont fini par se retrouver dans le réservoir de la pompe de Broad Street et a ensuite pu contaminer tout le monde. Autre élément important à comprendre aussi, c'est que Jon Snow et Pacini, d'ailleurs c'est pareil, n'étaient pas des martyrs de la science comme on pourrait l'entendre pour un Copernic ou un Galilée. Non, non, c'était des scientifiques très respectés dans leur domaine. Jon Snow, il était très connu pour ses travaux sur l'anesthésie, il a quand même fait accoucher la reine d'Angleterre, c'est pas rien. Et Pacini, ben, c'était un anesthésiste connu qui a donné son nom au corpuscule de Pacini, qu'en général, les étudiants de PACES ou de P1 connaissent bien. Qui sont des petits capteurs sous la peau qui permettent de percevoir les vibrations et la pression, je crois. Et puis, pour finir, il faut savoir que même si, évidemment, dans les pays occidentaux, on ne rencontre plus trop de cas de choléra, le choléra existe toujours et il tue toujours beaucoup de personnes. C'est difficile d'estimer combien il y a de choléra dans le monde à l'heure actuelle parce que des cas de diarrhée, il y en a certainement des tas qui ne sont pas rapportés. Mais on considère à peu près qu'il y a encore 3 millions de cas par an de choléra et qu'ils doivent tuer à peu près 100 000 personnes tous les ans dans le monde. Tabarnak, hein. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous l'avez appréciée. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et si vous voulez faire découvrir aux gens quel était le vrai Jon Snow, n'hésitez pas à partager la vidéo. Merci beaucoup et à la prochaine. Voilà. Risque Alpha, on vous a mis le... Tiens, je l'ai-tu encore dans mon copier-coller? Oui, vous l'avez encore dans le chat. C'était très intéressant. Hein? Compter les morts. Hein? Ouais. Mais là, on doit compter les malades tranquillement, pas vite. On affine les techniques, les méthodes de recherche, puis on peut prendre les devants un petit peu. Non, évidemment. Donc, voilà. C'est un petit vidéo sympathique. Puis la chaîne fait des trucs très, très, très cute. Donc, je vous la recommande. Elle est dans le chat maintenant. Donc, juste pour être sûr où je suis, tout va bien. Donc, voici les précurseurs de l'épidémiologie mathématique. On a Jon Snow, qu'on connaît déjà. Sir Ronald Ross, dont on ne parlera pas, mais je lui ai mis une petite médaille de prix Nobel parce que lui, il a remporté un prix Nobel pour ses travaux en médecine. On a McKendrick et Kermack. Là, eux sont les fondateurs du modèle épidémiologique que je vais vous présenter aujourd'hui. Qui tient encore la route. On l'utilise encore. Bravo. Ça a été écrit en 1927, donc il y a bientôt 100 ans. Ouais. On devrait faire un party pour le modèle épidémiologique. Bring it! What up, McKendrick? Oh non, moi, je suis plus Kermack. What up, McKermack? Ouais, on pourrait se faire des t-shirts. Avec notre préféré. C'est ça. Oh, ouais. On pourrait appeler ça genre le KKK, Kendrick Kermack Kickass. Ouais. Peut-être un autre nom. OK. Donc, voici. On va passer next, Tommy. Donc là, les modèles épidémiologiques, je vous ai mis une petite définition de ce que ça fait. En gros, ça nous permet d'accroître les connaissances relatives à un phénomène en santé publique. Puis ça nous permet d'étudier, qui serait difficile à étudier dans un contexte réel en raison de diverses contraintes pratiques, théoriques ou éthiques. Donc, par exemple, c'est pas possible d'infecter des gens pour voir comment ils réagissent à la maladie. Donc, c'est pas éthique. Après ça, ça nous permet d'exprimer de manière quantitative une théorie sur le comportement d'un phénomène en santé, de santé en question. Ça nous permet d'anticiper le comportement du phénomène, même lorsque certaines données varient par rapport aux observations initiales.
Puis, ça nous permet d'effectuer une comparaison a priori de l'efficacité au niveau de la population entre différents traitements ou divers programmes de prévention. Fait que c'est un peu ça, les modèles épidémiologiques ont été utilisés durant la pandémie pour savoir comment allait évoluer la pandémie et comment certaines mesures allaient aider ou non à prévenir des infections. Donc, chaque... déjà, tout ça, c'est comme super compliqué, j'ai l'impression. Là. Oui, quand même. Aïe. Fait que chaque infection a son petit modèle, puis chaque situation a son petit modèle. Donc, c'est pas possible de dire, je vais utiliser le modèle épidémiologique CIR que j'ai utilisé pour la COVID avec... pour la choléra. Pour le choléra, ouais. Donc, là, aujourd'hui, je vais vous présenter le CIR, mais sachez qu'il y en a vraiment beaucoup. Celui-là, c'est un simple, puis c'est celui que j'ai utilisé dans ma thèse. Donc, okay. C'est pour ça que c'est lui que je vous présente. Next. Donc, le modèle épidémiologique CIR est un modèle compartimental. Je vais vous montrer pourquoi par la suite. Puis, assez flexible. C'est pour ça qu'on l'utilise. Vas-y. Donc, les compartiments. Dans le fond, on dit compartimental parce que la population est séparée en compartiments. Les compartiments, dans le modèle épidémiologique CIR, sont susceptibles, infectés, puis remis. Bon, là, c'est « remove ». C'est, je veux pas que vous pensiez comme une remise statistique. C'est vraiment retirer de la population des infectés ou de la population des susceptibles. C'est dans ce compartiment-là que tu vas quand tu as été infecté et que finalement, t'es immunisé à la maladie. T'as passé au travers, là, fait qu'on présume que t'as tes anticorps, fait que retourne jouer avec les amis. Puis là, je vous donne un hint pour le prochain addendum ou un des prochains addendums, mais c'est aussi dans ce compartiment-là, dans le compartiment des gens remis, donc « remove », c'est pour ça qu'on dit « remove » en anglais. C'est dans ce compartiment-là qu'on va quand on se fait vacciner. On passe de susceptible à remis sans passer par l'infection. Donc, « next me ». OK. Fait que là, je vous disais qu'on passe d'un compartiment à l'autre. Comment on fait? On va parler de transition. On va avoir des transitions pour aller du compartiment des susceptibles aux infectés, des infectés aux remis et potentiellement des susceptibles aux remis, mais ça va être dans un autre sujet. L'infection. Donc, Tommy, si une personne qui est susceptible rentre en contact avec une autre personne susceptible, est-ce qu'elle peut être infectée? Ben non. OK. Est-ce que si une personne susceptible rentre en contact avec une personne remise, est-ce qu'elle peut être infectée? Ben non. Le seul moyen d'être infectée, c'est lorsqu'on rentre en contact avec une personne infectée. Infectée, ben oui. Donc, là, ici, c'est le plus bêta que j'ai pu trouver, le gros B fancy, parce que je trouvais pas la lettre grecque bêta sur mon Canva, donc on est allé avec ça. Donc, on va avoir B, qui est le taux de transmission. Ça veut dire que chaque contact entre une personne susceptible et une personne infectée, donc le I et le S, va se traduire par une infection à quel taux? C'est quoi la probabilité si je suis infecté, toi, tu es susceptible? C'est quoi ta probabilité d'être infecté à chaque contact qu'on a? OK. Donc, le contact, on le quantifie en K. Là, ça veut dire que si on a zéro contact, Tommy, ça veut dire puis que tu as 1% de chance d'avoir l'infection. C'est quoi tes probabilités d'avoir l'infection? Moi, dans mon monde, quand tu multiplies quelque chose par zéro, ça arrive souvent à zéro. Mais dans le monde de Joe Lindigo, ça a l'air super compliqué à comprendre. Là. Effectivement. Mais si j'ai zéro fois quelque chose, ben je l'ai aucune fois. Fait que j'ai zéro fois chance d'attraper l'infection vu que j'ai pas de contact. Exact. Il y a zéro cas. Il y a zéro de contact. Zéro cas. Donc, sauf que si tu... 1000 contacts. Puis t'as 1% de chance de l'avoir. Bon, on sait que les probabilités, c'est pas exactement... mais... C'est un ballpark, là. C'est un range. On va s'entendre que si t'as 1000 contacts avec une personne, lorsque t'as 1% de chance d'être infecté, quand tu rentres en contact avec une personne infectée, tu risques de sortir de là avec la maladie. Il y a des bonnes chances. Il y a des bonnes chances. Oui. Puis sinon, on va t'acheter un auto 649. On pourrait dire ça aussi, oui, effectivement. On pourrait dire ça. OK. Good, good. Donc, on va passer à la étape suivante. La transition, la guérison. Parce que là, dans notre modèle, ici, on peut guérir de l'infection. OK? Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va observer
Première journée, est-ce que la personne est remise? Non. OK. Deuxième personne, est-ce que la personne est remise? Non. OK. Troisième, quatrième. Donc, là, ici, on dit des périodes, mais on peut dire que c'est des journées, des demi-journées, des heures. Là, c'est un... On prend un... L'échelle de temps la plus appropriée. Là. Exactement. C'est... Si ça dure 2 semaines, ben, là, on peut mettre 2 semaines. Puis si ça dure 8 heures que t'es contagieux, que t'es infecté, puis t'es malade, ben, on met 8 heures. Mais on va s'entendre, en fait, sur si, justement, c'est une infection qui dure 8 heures, on va utiliser des heures. Puis si c'est en semaine, ben peut-être qu'on va utiliser des jours ou aussi des heures, mais il va falloir les traduire de 2 semaines en heures. Voilà. Donc, et le taux de guérison va être 1 divisé par le temps que ça prend en moyenne pour guérir, approximativement. C'est bon pour tout le monde? Tout le monde suit? Ça se tient. Ça se tient, OK. Ça se tient. On suit, on passe à l'autre. Donc, et là, il reste la réinfection. Encore une fois. Oh non, on peut se faire réinfecter. C'est chien, ça. Fait qu'on est tout à susceptible, on n'est jamais remis. Attends. OK, j'écoute. Excusez, ça va bien finir. Ça va bien finir. Fait que là, une personne immunisée à l'infection, là, qui est remis, là, qui est immunisée à l'infection, est-ce qu'elle peut être infectée quand elle rentre en contact avec quelqu'un d'autre d'immunisé à l'infection? Non. Avec une personne susceptible? Non. Si elle est immunisée à l'infection, est-ce que si elle rentre en contact avec une personne infectée, elle va être infectée? OK, fiouf. Tout est bien qui finit bien. Okay, tout est bien qui finit bien. Ah, fiouf. Pour l'instant. D'autres variables qui vont arriver. Non? D'autres variables. Ben oui, mais là, c'est compliqué. Mm-hmm. OK. Mm-hmm. OK. Fait que ici, on n'a pas de réinfection. Donc, on va pas en tenir compte. Dernière transition, Tommy. T'es-tu prêt? Ah, tu vois, j'ai vraiment fait un effort. J'ai mis des petits X t'as sur mes bonnes. C'est vraiment difficile. Ouais, ils sont cute. Oui. Pour vrai, ça a été... C'est ce que c'était trop petit. Ben, belle réussite, en tout cas. Mais je voulais les aligner aussi, là. Je ben, ouais, ouais. Pas que ça aille être fou. T'sais. Ben, oui. Oh, bon, OK. Donc, il y a d'autres transitions dont on parlera pas dans les 2 premiers articles, mais je vous l'introduis tout de suite pour que les gens soient pas tout paniqués. Il y a des naissances. C'est vrai. Il y a des décès. C'est vrai. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui naissent. Là, ici, on va avoir un modèle à l'équilibre, c'est-à-dire qu'on va supposer, puis oui, je le sais, il y a beaucoup d'hypothèses à faire dans les modèles épidémiologiques, mais on va supposer que les naissances et les décès sont au même taux. Donc, quand il y a une personne qui naît, il y a aussi une personne qui meurt. Puis, il va y avoir un taux de naissance égal dans tous les compartiments. Donc, tu ne peux pas décéder de l'infection. Dans ce modèle-ci, on essaie de le faire le plus simple possible. Okay, il y a moyen de le raffiner, mais on va y aller au plus simple parce qu'on va introduire des concepts mathématiques vraiment très compliqués par la suite. Fait qu'on va essayer de pas trop se bader okay. Dans les fleurs du tapis. Okay? Oui. OK. Fait que tout le monde suit encore. S'il y a des questions, ça serait le moment. On va passer par l'instant là. Ouais, j'aime ça. Ouais. On enlève une affaire compliquée. Là, pour... ouais, j'aime ça. C'est parfait. Ça. Donc là, ici, c'est une image directement tirée de ma thèse. Je voulais vous montrer de quoi ça a l'air un graphique du modèle CIR avec une vitale dynamique, une dynamique vitale stationnaire. Ouh, on y est arrivé. C'est que là, il n'y a personne qui meurt de l'infection. Ça, ouais. C'est le même nombre de personnes. Donc, okay. Je vais avoir une probabilité bêta de tomber infecté lorsqu'il y a un contact. Je vais avoir une probabilité gamma, un taux gamma. Je vais guérir un taux gamma. Puis, les lettres qu'on voit en dessous de susceptible, infecté et remove, ça, c'est pour compter le nombre de personnes qui sont susceptibles, le nombre de personnes qui sont infectées, puis le nombre de personnes qui sont remove en proportion. OK. OK? Oui. Drapeau noir, ça y est, vous m'avez perdu. Non, on t'a pas perdu, tout va bien. C'est exactement tout ce qu'on a parlé avant, mais là, je l'ai mis avec le petit graphique. Mais tu sais, fais juste repenser au truc d'avant, c'est la même chose. Je voulais juste le mettre. OK, donc là, maintenant, on va avoir des équations. Là, ça, c'est les équations du modèle épidémiologique CIR avec dynamique vitale stationnaire. Là, on ne va pas les analyser, mais dites-vous que, tu es en détail, sauf que dites-vous qu'elles existent. Je pense que c'est ce qui est important à retenir. Puis on va, après ça, on va utiliser ces équations-là pour résoudre le modèle. C'est bon? Ça va jusque-là? Ah oui, il y a vraiment plein de symboles que j'avais sur mes calculatrices, puis je ne savais pas que ça servait des fois pour vrai. Ça sert vraiment pour vrai. Tellement que dans ma thèse, vous savez qu'il y a des lettres grecques, hein? Puis dans ma thèse, j'ai manqué de lettres grecques.
À un moment donné, j'avais tellement de paramètres que je savais plus quelle lettre grecque utiliser. C'est un peu comme les variants COVID. À un moment donné, ils ont manqué de lettres grecques. Fait que c'est quoi, t'es tombé sur les runes? Ben non, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des petites barres en haut et des petites barres en bas sur des lettres grecques qui existaient déjà. Patard! Si débrouillard! Ah non, mais là, à un moment donné, c'est parce que... Sauf que ça fait que quand tu lis les équations, ça ressemble à moins bêta kappa IS plus mu 1 moins S. Ça, c'est... T'as l'impression de parler une autre langue. Bon, vraiment, ben okay, oui, ben voilà. Oui. Good, good, good. Heureusement, t'as pu aller à la Sorbonne parler avec du monde qui comprenait. Là. Ouais, effectivement. Donc, on va passer à la prochaine acétate. Avec plaisir, heureux. OK, ça, on en a aussi entendu parler beaucoup durant la pandémie. Surtout au début de la pandémie, on parlait du R0 ou le nombre de reproductions de base. Le nombre de reproductions de base d'une infection, c'est le nombre moyen attendu de cas directement générés par un cas dans une population où tous les individus sont susceptibles à l'infection. Donc, là, on dit tous les individus, on s'entend, il y a une personne infectée. Donc, ça va être tous les individus moins un. Mais on va avoir une personne infectée, puis on va regarder combien de personnes vont être infectées par cet individu-là. OK. Puis, selon la valeur de ça, on va s'intéresser ou non à l'infection. Es-tu prêt? Je vais vous expliquer pourquoi. All right. OK. Ah, j'aime ça. Suivant. Ça avance beaucoup plus vite que ce que je pensais. Tout va bien. Donc, ici, j'ai une personne infectée. Puis j'ai 9 personnes susceptibles. Fait qu'on va dire qu'on a une population de 10 personnes. Si, pendant que la personne est infectée, elle infecte personne. Elle va devenir « removed » à un moment donné. Fait que là, il n'y aura plus d'infection nulle part. Voilà. Ça, on va avoir réglé l'infection. Oui. Mais on veut faire ça. Pourquoi qu'on veut pas ça? Ben, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on essaie de faire. Avec le COVID? On a essayé de faire ça. C'est vrai qu'on a essayé. On a essayé, on a demandé aux gens de rester chez eux quand ils étaient malades. Ça a été comment, ce dossier-là? Ça a pas bien été. Ça s'est géré dans l'amour. Non, mais il y a eu des asymptomatiques, on va dire que c'est ça qui... On n'avait pas le vent dans le dos. Effectivement, okay. on va se le dire aussi, là, être asymptomatique pour un virus, ça, puis rester contagieux, ça doit être une crissement bonne manière de se d'éparpiller partout. C'est un super pouvoir vraiment pas pire. Ouais, effectivement, ouais. C'est okay. Ça. Donc, voilà. Fait que si j'ai une infection qui fait... Si j'ai une infection ne fait aucune autre infection, ça met fin à la... Là, je vais dire pandémie ou épidémie, mais tu sais, ça arrive pas. Vous comprenez? Donc, puisque l'épidémie va mourir de sa belle mort, ben on s'y intéresse, mais moins. Puis c'est peut-être déjà arrivé. Ah oui, ben oui. Dans l'histoire de l'humanité, quelqu'un qui pogne, je sais pas, un virus à quelque part, puis que finalement, il passe à personne. Puis oui, puis en fait, là j'ai utilisé l'exemple extrême où il passe à personne. Mais si chaque individu infecté infecte juste une demi-personne, donc on aurait deux individus infectés, puis il y a juste une personne en échange qui est infectée. Puis là, après, elle, c'est une demi-personne, mais oui. Ça n'existe pas dans ce modèle-là. Voilà, fait qu'à la fin, c'est fini. Mm. Fait que dès que mon R0 va être inférieur à 1, je m'intéresserai pas tant que ça. Pas que je m'y intéresserai pas, mais ça sera pas... Elle passera pas d'un grand ligue, là. Non. Non, c'est ça. Ça sera pas... voilà. On peut passer à la cétate suivante. Voilà, ça, c'est la description que j'ai faite. Ça, alors, ça veut dire que tous les susceptibles ici, ils n'ont pas dit on va aller donner de l'amour à lui. Non. Puis là, ils sont pas tous tombés malades un après l'autre. Ils ont fait ah, ben, tiens, tu fais des affaires bizarres, tu tes flûtes. Puis il a fait ouais, vous faites bien, je vais mettre mon masque là, en attendant. Puis c'est ça, ouais. On a réussi. C'est pas pire, hein? Non, ouais, bravo. On va pouvoir passer à l'autre acétate. Là, ici, il y a des gens qui sont venus donner de l'amour. Ah, tabarnak. Mais... C'était juste un câlin, fuck you, Trudeau. Voilà. Donc, ça a fait que l'infection s'est transmise à deux autres personnes. Bien qu'une grippe. Mais là, moi, j'avais une personne au début, j'ai deux personnes maintenant. Ces deux personnes-là, si à chaque fois qu'il y a une personne, il y a deux personnes de plus qui sont infectées, ça veut dire que la prochaine fois, je vais avoir... Il va en avoir 4 de plus du bord à droite, là. Même 6, parce que là, le troisième, il est encore contagieux. Là. Non, mais lui, on va l'enlever. On l'enlève de... OK, parfait. Ouais, ben, il va en avoir 4 de plus, c'est 2, c'est exponentiel. Voilà. Fait qu'est-ce c'est exponentiel, Dominique. Là. Faut qu'on tire la plug, faut qu'il se passe de quoi. Là. Voilà. Fait que là, à un moment donné, il n'y aura plus personne dans les susceptibles. Tout le monde va être dans les infectés ou dans les remis. OK. Voilà, c'est ce que je vous ai décrit. Ici, les équations reprennent l'explication que j'ai donnée.
quand mon R0 est plus grand que 1, l'épidémie prend de l'ampleur. Puis quand mon R0 est plus petit que 1, l'épidémie s'éteint. Là, une des façons de diminuer le R0, c'est de réduire le taux d'infection. Comment on réduit le taux d'infection? Ben, on prend des mesures sanitaires qui fonctionnent. Donc, le couvre-feu. Les vibrations. Tu sais, quand je vous parlais du fait qu'il y avait des... que réduire les contacts, ça fait en sorte qu'il y a moins d'infections. Mais c'est un peu ça qui est arrivé avec le couvre-feu, ouais. Avec les masques, avec les... La distanciation sociale, le travail à la maison, oui, ces affaires-là. S'isoler quand on est infecté ou quand on revient de voyage, ou voilà. Voilà, c'est super simple. C'est bon? Oui. On peut passer à la prochaine. C'est... Oui. Je pense même que pas être capable de comprendre ça, ça cache quelque chose... de plus que de l'ignorance, genre. Mais je suis pas sûre que ça a été... Moi, j'ai pas été convaincue par les explications qui étaient données. OK. Quand, durant la pandémie, j'étais pas... Moi, je connaissais déjà le concept, fait que je pouvais pas juger à savoir si l'explication était claire. Ouais. Parce que moi, je le connaissais, donc je le trouve. Mais en même temps, je me disais... C'est pas comme ça que moi, je l'aurais expliqué. Puis à regarder certaines personnes, ça avait pas l'air d'être super clair dans leur tête. Donc je me disais peut-être que... Peut-être que se faire expliquer quelque chose par quelqu'un qui l'a appris il y a 5 minutes dans une conférence de presse, c'est peut-être pas la meilleure façon de se faire expliquer des choses. À bon entendeur, salut, moi aussi je suis d'accord par contre à ce niveau-là que ça aurait pu... ça aurait été pas mal mieux que ce soit moins souvent Legault puis Arruda qui parle, puis plus souvent comme... Mais, mettons Dominique. Là, mais Arruda est très compétent. Ça, oui, Arruda. J'aime mieux Arruda que Legault dans ce cas-là. Ouais. Sauf que c'est ça. Quand les journalistes essayaient de le réexpliquer après, c'était pas toujours clair. C'est ça. Puis peut-être pas dire on fait juste un défi 28 jours quand tout le monde savait que c'était pour être plus que 28 jours. Ouais, c'était ça, fort probable plus que 28 jours. Ouais, genre. Appelez ça autrement, en tout cas. Ouais. On passe à la prochaine. Oui. Donc. Là, parce que je sais que tu es un homme curieux. Moi, c'est moi, ça. C'est toi, ça. Fait que on va regarder rapidement quelques R0, parce que c'est intéressant. La rougeole, le R0 oscille entre 12 et 18. Ça veut dire que chaque personne infectée dans une population complètement susceptible... Plus c'est haut, plus c'est contagieux. Ouais. OK. Donc, dans une personne infectée à la rougeole dans une population complètement susceptible va infecter 12 à 18 personnes. Tabarnak, hein? C'est beaucoup, hein? Puis ça veut pas par aérien, ça doit aider beaucoup. Là. Les plus gros R0 doivent souvent être aériens. Fort probablement, oui. Quoique le sida, c'est pas pire aussi. OK. Ouais. Donc, regarde, la polio, la diphtérie, mais la varicelle, coqueluche. Et on a la COVID en bas. Ben oui, hein, ça... La souche d'origine, mais après ça, ça l'a gagné. Là. Le Omicron, il est en haut dans le plafond. Oui, tout à fait. T'en veux-tu du COVID en ville, Chris? Ce qui est, selon moi, intéressant... C'est que quand les gens disent « Ouais, mais il y a des maladies qui ont des R0 plus grands. » Oui, on a, à part le sida, toutes des vaccins contre. Ah, mais ça, c'est donc une bonne nouvelle. Merci, science! Est-ce que c'est le fun de savoir qu'il y a du monde compétent sur ces dossiers-là? C'est hot, hein? Là, ce qui arrive, c'est que quand il y a un vaccin, je vous expliquais tantôt, la personne dans le compartiment susceptible va aller directement dans le compartiment remove. Donc, il va y avoir moins de susceptibles qui vont pouvoir être infectés. Puis comme je vous le disais, c'est dans une population complètement susceptible. Quand il y a moins de susceptibles, quand il y a moins de victimes potentielles... Ben, ça l'infecte moins au final. C'est ça. Genre, mets Jeffrey Dahmer dans un gymnase vide, peu de chance qu'il y ait de mort. Genre, vu de même. Ouais, c'est bon, hein? Ouais. Donc, voilà. C'est pour ça que c'est un faux argument de dire qu'il y a des maladies qui ont des R0 plus grands pour essayer de justifier qu'on veut pas prendre le vaccin contre la COVID. Ouais. Oui. Officiel. Puis, OK. Tout le monde est prêt? On passe à la suivante? Hey, là, ça va bien, là. Oui. Là, si on veut faire une analogie, puis je le sais, j'aime pas ça utiliser ça comme ça, mais il faut des fois dire les choses comme elles sont. Les susceptibles sont un peu le carburant de l'épidémie. Quand il n'y a plus de susceptibles, l'épidémie ne peut plus s'alimenter. L'épidémie ne peut plus continuer. S'il n'y a plus de gens à infecter. Donc, à un moment donné,
au fil des périodes, à force que les gens passent d'infectés à remis, il n'y aura plus de gens susceptibles à infecter. Des autres potentiels. Des autres. Parce que c'est un petit peu la tragédie du virus aussi, là, que il n'y a pas le choix d'avoir un endroit où comme se reproduire, mais aussi transférer. Parce qu'à un moment donné, ça ne sera pas une symbiose entre le virus et le corps humain. Là. Le corps humain va combattre le virus jusqu'à temps que l'un ou l'autre gagne. Fait que le virus, il faut qu'il soit contagieux, mais il ne faut pas qu'il soit trop mortel, mais il faut qu'il soit. Faut qu'il prenne sa place. Là. Faut qu'il... Voilà. C'est compliqué à Chris. Et là, l'affaire, c'est que là, sur l'acétate, on se dit, ben là, c'est évident, regarde, il est là. Les petits bleus sont à côté du petit rouge. Ouais. OK. Mais dans une ville comme Montréal, si j'ai 100 personnes susceptibles, une personne infectée, puis 3 millions de personnes remises autour, la personne infectée, avant qu'elle trouve les 100 susceptibles, bon, ça se peut qu'elle en trouve un, mais c'est fort peu probable parce qu'il y a 3 millions de personnes autour qui servent de bouclier ou qui font en sorte qu'elles rencontrent d'autres gens que le susceptible. Officiel. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, on va avoir un bon nombre de susceptibles. Ça va être pas une fraction, ça sera pas zéro susceptible. Puis l'infection va s'être éteinte par elle-même parce qu'il va y avoir trop de remove. Voilà. OK. Pourquoi, mettons, peut-être c'est le temps de poser la question, mais pourquoi, mettons, il y a encore de la rougeole si on est tous vaccinés contre la rougeole? Parce qu'on n'est pas tous vaccinés contre la rougeole. C'est une bonne réponse. Parce qu'on a réussi à éliminer la variole, genre, en se vaccinant tout le monde. Fait que... Oui, mais la rougeole, il y a encore des places. Tu sais, les vaccins, c'est... Nous, on a la chance de pouvoir être vaccinés à la naissance ou pas loin de la naissance selon le calendrier vaccinal. Sauf qu'il y a des pays pour qui les villages sont trop loin, les naissances sont pas nécessairement déclarées, donc c'est pas suivi. Il y a d'autres. Et il y a des endroits où les gens pensent que, à cause d'un homme qui s'appelle Andrew Wakefield, que le vaccin contre la rougeole cause l'autisme. Ouais. Donc, ils refusent le vaccin. C'est un peu pour ça qu'il y a eu une épidémie de rougeole à Disneyland il y a quelques années. Aïe, tabarnak. C'est fou, hein? C'est débile, ça. Imagine, c'était Wakefield-là, il dort bien. Genre, il y a une belle maison. Ouais, il s'est battu pour les enfants. Il s'est battu pour les enfants. Et okay. Ouais, merci. Suivant. Donc, ici, c'est ce que j'essayais de vous décrire, mais là, on va le voir graphiquement. Je l'ai pris sur Internet parce que mes graphiques de thèse sont différents de ça. Je vais vous les montrer après, mais c'était pas aussi clair. Donc, la ligne en bleu, c'est les susceptibles. La ligne en rouge, c'est les gens qui sont « recovered », donc les remis. Puis la ligne en rouge, c'est les infectés. Ce qu'on voit, c'est qu'au fur et à mesure qu'il y a des infectés qui s'ajoutent, il va y avoir la courbe des susceptibles va diminuer. Tu le vois? Ben la courbe en bleu diminue. Ouais. Ça fait en sorte qu'à un moment donné, tu vois, il y a un sommet à peu près à la 65e période. Le rouge va se mettre à redescendre après avoir monté. Tu le vois? Donc, ce qui va arriver, c'est qu'à ce moment-là, l'infection va manquer de carburant pour continuer à infecter d'autres personnes. Donc, il va y avoir de moins en moins de gens infectés. Et la population des susceptibles va se stabiliser, dans cet exemple-ci, autour de 20 %. Il va y avoir 20 % de la population qui ne sera jamais infectée. Ah, ben oui, vu de même. Puis là, puis l'infection va s'éteindre. On l'a aplati la courbe en tabarnak. Là. Puis là, on peut l'aplatir encore plus que ça, puis sauver encore plus de gens. Ouais. Voilà. Donc, c'est ça. C'est super... Donc, sauf que ça, c'est une caractéristique. Là, ici, ce qu'on voit, c'est que ça repart pas. Mais, plus tard, vous allez voir que c'est faux. Donc, on peut continuer. Est-ce que c'est à peu près tout le temps ça, la courbe, au final? Si, dans le sens, si on se débarrasse du virus au bout? Moi, non, c'est la question. Non, en fait, non. Puis c'est là que, tu sais, quand Alexis disait « il n'y a jamais de deuxième vague », ouais. Ben, vous allez voir qu'il y avait tort. Ouais. Donc, là ici, je vous ai illustré mon premier article. Là, on va avoir une personne blanche qui est la personne susceptible. Elle serait bleue, mais je voulais vraiment la cibler. Je voulais qu'elle soit clairement vue pour dire c'est quoi les chances que cette personne-là soit infectée. OK? Donc, dans le groupe 1, on a deux personnes susceptibles, on a huit personnes
infectés, puis on a 3 personnes « remove ». OK? Dans le groupe 2, on a 1 personne infectée, on a 6 personnes « remove » et 6 personnes susceptibles. Donc là, dans le chat, j'aimerais que vous me disiez dans quel groupe la personne susceptible blanche a le plus de chances d'être infectée. Le groupe 1 ou le groupe 2? On va attendre. Non, on donne pas la réponse tout de suite. Je veux que les autres aussi participent. OK, c'est bon, c'est vrai. Pas juste toi qui peux donner les réponses. Ben tiens, je vais même mettre un sondage en jeu. OK. On fait ça intense. Je vais prendre une gorgée d'eau pendant ce temps-là. Contaminé. Groupe 1. Groupe 2. On va mettre... 1 minute de sondage. Je vous laisse 1 minute pour répondre. Toum, 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 toum. Toum, toum, toum. Tu veux-tu des cerises? Non, merci. Il en reste presque plus. Non, c'est bon, merci. T'aimes pas ça, les cerises? J'ai pas faim. T'as pas besoin d'avoir faim pour manger une cerise. T'as raison. Mais les amis de Tommy mangent les noyaux. Je suis un petit peu troublé. Je les avale. Si tu fais la même chose avec les noyaux d'abricot? Je vais pas manger des abricots souvent. Ah, les pêches? Non, ça passe pas. Ça. Okay. Je prends pas de chance. Mais ouais, pas mal tous les noyaux que je peux manger, je mange. Non, il n'y a pas de groupe 3, les amis. Il n'y a pas de groupe 3. On a groupe 1, groupe 2. Ah oui, Québec KO, il essaie de briser, là. Ouais, il essaie de briser. Donald Trump, il est en train de parler à un gars avec casquette, ou? Il ressemble à Jambon Rodriguez. Groupe 1 avec 90%, effectivement... Moi aussi, j'aurais voté pour le groupe 1. Bonne réponse. Puis là, je vais vous expliquer quelque chose. Fait que là, votre intuition est que si la personne avec le... Si je sors, la personne en blanc sort dans le groupe 1, elle a plus de chances d'être infectée que dans le groupe 2. Sauf que dans le modèle qu'on a... déterminé au départ, dans le modèle de base, la personne va faire le même choix, le cas est le même dans le modèle épidémiologique, peu importe l'état de la dynamique de l'infection. Fait que peu importe dans quel groupe la personne se retrouve, son nombre de contacts va être le même. Oui, oui, c'est parfait. Non, ça n'a pas de sens. C'est ça que j'ai en train de te dire. Ah, parce que les autres sont malades, puis on va le savoir, ils ont des symptômes, tu veux dire? Ben oui, mais l'idée, c'est que si mes chances de tomber infectées... Je vais aller m'acheter une pinte de lait, OK? Non, je vais aller m'acheter un latté, tiens. Parce que c'est pas essentiel, un latté. C'est le fun, mais c'est pas essentiel. Je veux m'acheter un latté, mais si je sors dehors, j'ai 80% de chances d'être infecté par une maladie mortelle... versus 1% de chance d'être infecté par une maladie mortelle. Je peux vous dire qu'à 80% de chance, mon latté, je vais m'en passer. Qu'est-ce que t'en penses? Ben oui. Voilà. Ben qu'il mange la marde, là. J'aime même pas ça tant que ça. Ah! Fait que l'idée est, selon la répartition des gens dans les compartiments, donc selon la dynamique de l'infection, il va y avoir des différences dans les choix de comportement, donc dans les choix de contact. Mais ça, le modèle épidémiologique de base n'en parle pas. Parce que mathématiquement, c'est le bordel. On va le dire comme ça. Ah oui, là, ça va nous prendre des boutons sur la calculatrice qui n'existe même pas encore. Là. Ah oui, vraiment. OK. Ça va nous prendre un programmeur pour écrire le code. OK, on est prêt. OK, on passe à la suivante. Avec plaisir. Donc, on a dans notre modèle, parce qu'on voulait, si on sait exactement le nombre de personnes infectées, exactement le nombre de personnes susceptibles, exactement le nombre de personnes remises, on n'avait pas moyen de modifier le modèle de façon en incluant les hypothèses économiques. Donc, on a intégré les asymptomatiques, ce qui colle tout à fait à la réalité de la COVID. Donc, les petits jaunes, c'est les asymptomatiques. Ça va? Les gens infectés vont rester à la maison, mais les asymptomatiques, ils ne savent pas qu'ils sont infectés. C'est ça. Donc, ils vont potentiellement sortir. OK? Ça, c'est important. On peut passer à la étape suivante. Donc, voilà. J'aurais créé un petit compartiment. Attendez, là, je veux juste être sûre d'où je suis rendue, parce que...
ça c'est moi, j'ai noté des affaires puis j'ai pas noté. OK. Donc on a des asymptomatiques qui sortent, des gens infectés qui restent, les gens remis, ben eux ils font ce qu'ils veulent, mais l'idée c'est que s'ils ont été asymptomatiques, ils savent pas qu'ils sont remis. Si tu as été infecté par une maladie sans savoir que tu as été infecté par la maladie, même si tu es guéri, tu le sais pas. Fait qu'il y a des gens qui sont remis mais qui pensent qu'ils sont susceptibles. Ah ouais. Tu me suis? Ah ouais, ben total, total. OK. Ça va. Parce qu'il était asymptomatique, fait qu'il savait même pas qu'il était malade. Voilà. C'est compliqué. Fait que là, ces gens-là, comment ils vont se comporter? On va continuer. OK. Là, wow. J'ai sorti directement. It's happening, là. Fait que là, notre problème, c'est qu'on a... On veut modéliser le comportement des gens quand ils savent pas s'ils sont infectés ou pas. Donc, ils vont, à chaque période, analyser leurs symptômes. Donc, à chaque période de temps, ici, on va dire des journées. Ils vont se demander, est-ce que j'ai des symptômes? Non. Donc, ils vont se dire, peut-être que je suis asymptomatique, peut-être que je suis susceptible. C'est quoi la probabilité que je sois asymptomatique, puis c'est quoi la probabilité que je sois susceptible? Puis au fil des ans, si ils sont jamais, jamais sortis de leur maison, Tommy, jamais sortis de leur maison, ils n'ont jamais vu personne qui est sorti de la maison. Ils font attention. Ils font attention. Ils vont se dire qu'ils sont asymptomatiques parce qu'il n'y a aucune chance qu'ils aient été infectés. Mais si tu étais infirmière auxiliaire durant la pandémie puis que tu as été en contact avec des gens tous les jours qui avaient la COVID, non-stop, ben, tes chances que tu sois remis sont très élevées. Parce que t'as peut-être été infecté de façon asymptomatique. Ouais. Ou penser que c'était une petite grippe ou passer ça autrement. Là. Ouais, ouais. Fait que voilà. Fait qu'il va avoir... Ce qu'on va faire, c'est que on va maximiser la fonction de valeur. Donc, on va s'interroger à savoir c'est quoi les coûts de sortir ou de pas sortir. Puis, on va intégrer l'équation de choix qui est la longue équation d'en bas. Qui... Tabernacle! Ça, c'est CIR encore. Là, c'est de 1927. Là. Voilà, non, ça, c'est... on l'a appelé BMM1 parce que c'est Barry Tremblay, Marla et Ménager. Oh, c'est vous autres qui avez fait ça! On fait capoter! Oui. Ben, Colin. OK, donc juste pour être sûr que j'ai tout dit, là, parce que je veux pas rien oublier. Donc, je vous ai parlé des personnes asymptomatiques. Ça va. Là, je vous ai dit aussi que les gens asymptomatiques... Ah, je l'ai-tu dit comme il faut? Je l'ai peut-être pas dit comme il faut. Donc, les gens qui ont pas de symptômes peuvent influencer le taux de transition en, dans le fond, se promenant en étant infecté. Ben ouais, j'étais pour dire en se crissant des mesures. Oui, c'est une autre façon de le dire. Ouais, ouais. OK, c'est une façon de le dire. Quand tu restes à la maison, ça te permet d'éviter le coût qui est s'emmerder, ton coût d'opportunité de ne pas travailler ou de travailler dans des moins bonnes conditions ou ton manque d'activité physique. On se souvient, à un moment donné, c'était lourd, là, rester dans la maison. C'est vrai. Sauf qu'être infecté, c'est aussi coûteux parce que ben, tu manques des jours de travail, tu peux être très, 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 très malade. Faire la COVID longue. Avoir des répercussions qu'on ne connaît même pas. Là. Il paraît que ça diminue la turgescence. Oh, OK. Je savais pas ça. Puis sinon, dans notre modèle, on va supposer, parce que ça nous prenait une date de fin. Tommy, ça, c'est une des caractéristiques du modèle économique. Ça nous prenait une date de fin. Donc, on a supposé l'arrivée d'un vaccin à la période grand T. Là, c'est important ici. Juste, on s'est dit à 350 périodes, il va y avoir un vaccin. OK. Ce qui est quand même pas si pire par rapport à la réalité. On n'était pas loin. C'est vrai, pareil, ben oui. Ouais, on n'était pas loin. On peut passer à la statue suivante. Donc ça, c'est juste... Je voulais vous montrer que ça existait. C'est le problème qu'on a résolu. On peut passer à la statue suivante déjà. C'est pas... tu sais, je voulais montrer parce que je voulais vous montrer que ça existe, que l'équation est là. Vous pouvez lire le papier si vous voulez. Il n'y a pas de problème, il est disponible sur Internet. Comme le veut la méthode scientifique. Oui. Fait que là, la façon de le résoudre, c'est simple. Je vous disais, pas simple, mais c'est simple. C'est simple à expliquer, c'est difficile à faire. Tu sais, il y a des affaires de même, hein? Effectivement. Tu sais, comme... C'est comme l'amour, je pense. L'amour, tu sais, tout le monde a écouté des chansons d'amour. C'est pas toujours évident de trouver l'amour. C'est vrai. Voilà. Fait que c'est pas toujours évident de trouver l'équilibre. Donc, ici... On a le T, le grand T. On a supposé 350. Un an. Puis on a un individu.
Là, on s'est dit, qu'est-ce que cet individu-là va faire? Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris sa décision à la période 350. On s'est dit, ça, c'est l'optimum. La dernière période, c'est ça qu'il fait. Fait qu'après ça, on est retourné à la période 349, puis on s'est dit, qu'est-ce qu'il ferait à la période 349, sachant ce qu'il fait à la période 350? OK? Après ça, on a déterminé c'est quoi l'optimum à la période 349. Après ça, on est allé à la période 348. On s'est dit, c'est quoi la décision optimum pour la période 348, sachant qu'est-ce qui est la décision optimale à la période 349 et à la période 350. Ouais, 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 ouais. C'est une résolution à rebours. On remonte la causalité, genre, les, en tout cas. Là, on s'entend que ça, sur papier, ça marche pas tant que ça. Sur papier, quand j'ai essayé de résoudre deux périodes, j'étais rendu à 4 feuilles pour mon équation. Ouais, ouais, ouais. À 3 périodes, j'étais rendu à 11 feuilles. Tu sais, une équation qui rentre sur 11 feuilles. Là. Ouais, 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 ouais. Peut-être que c'est trop long. Et au final, ben, là, je me serais jamais rendu à 1. Jamais. Ben oui, parce que ça avait l'air exponentiel. Là. T'es passé de 1 à 2 pages à 11. Fait que là, ben, tu sais, c'est pas nécessairement non plus un calcul très scientifique du point de vue du nombre de pages, parce qu'à un moment donné, genre... Oui, il y a trop d'imprécisions qui s'accumulent. Oui, tu sais, ça se peut que je me mette à écrire plus petit parce que je trouve que c'est long. T'sais. Genre? Aussi. Tout ça pour dire que on a demandé à mon merveilleux copain de nous aider à programmer la méthode de résolution. On avait la méthode de résolution dans notre tête, mais on n'était pas nécessairement aussi apte que lui à la programmer. Okay. Il l'a faite pour nous. Merci. Merci, Jeff. Voilà. Faut qu'on peut passer à la citation suivante. Donc, voilà. Ça, c'est le graphique, les résultats, un des résultats intéressants de notre modèle. Là, Tommy, je vais avoir besoin de ton curseur pour que les gens puissent suivre. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que parce que la vraie infection, on ne l'a pas tout. On l'a pas su à la première infection. Là, on n'a pas su la première journée. Voilà, il y a une pandémie. Non. On a attendu quelques périodes avant de le savoir. Okay. Fait que là, ici, dans ce graphique-là, on a attendu 30 périodes. Et après ça, je vais vous montrer d'autres choses, d'autres périodes. Mais on a attendu 30 périodes. Fait que là, évidemment, l'épidémie a eu le temps de prendre un peu de vigueur. OK? Ce qu'on voit, quand on regarde la ligne en vert... pointillé. OK? La pointillée, ça, c'est ce que ça aurait eu l'air sans notre modèle. Donc, sans intervention, la verte pointillée, ça, c'est ce que ça... Oui, c'est de ce que ça a l'air. La grise pointillée, la petite courbe qui monte, ça, c'est selon notre modèle. Donc, sans mesure. Et la mauve, c'est le temps passé à l'extérieur. Donc, on a déterminé que les gens passaient la proportion de temps qu'ils passaient à l'extérieur. OK? Ce qu'on voit, c'est que quand on annonce aux gens avec notre modèle, ce qu'on voit, c'est quand on annonce aux gens qu'il y a une maladie potentiellement mortelle, bon, non, pas dans ce cas-ci, pas potentiellement mortelle, mais une maladie qui cause des dommages, ils vont s'isoler. Donc, ils vont passer, tu vois, au début, là, à la période 30, les gens sont pas mal restés en dedans. Puis vers la période 125, ils vont, bon, même 100, ils vont commencer à sortir. Ouais. Parce que le nombre d'infectés a diminué. Parce qu'ils réagissent au nombre d'infectés. OK. Puis ça, c'est nouveau. C'est la première fois que ça avait été fait. Personne n'avait jamais laissé les gens choisir leur niveau d'infection dans les modèles épidémiologiques. Pas leur niveau d'infection, pardon, leur niveau de contact. Okay. Le contact était toujours stable. Fait que là, nous, on est le premier papier à intégrer le temps, le pourcentage de temps à l'extérieur. OK. Voilà. On défriche aussi à la québécoise. On défriche. Ben, j'étais avec deux Françaises, mais OK, si tu veux. Bon, on peut leur prêter le québéquisme. On peut leur prêter la nationalité s'ils veulent. Ouais, okay. Fait que voilà. Là, c'est intéressant parce qu'on se dit, OK, mais là, on a pris 30. Qu'est-ce qui arrive si on l'annonce à 40, à la période 40 ou à la période 20? Puis on va le savoir en regardant la prochaine slide. Ah! C'est excitant. Donc, on va regarder les courbes en mauve. Et les courbes en mauve vont nous dire c'est quoi le comportement, c'est à quel point les gens sont sortis ou non. C'est la petite courbe pour dire s'ils sont sortis ou non.
Okay. Donc, si on l'annonce, on voit à la période 40, les gens, quand ils vont se déconfiner vers la période 200, quand ils vont se déconfiner là, à l'équilibre, quand ils vont se déconfiner au max, qu'ils vont se déconfiner, ils vont se déconfiner sur un moyen temps. Ils vont se gâter. Ouais. Puis si on leur dit très tôt, ils vont se déconfiner, mais moins. Tu vois, la ligne mauve foncée, elle est en dessous. Le temps passé à l'extérieur est à autour de 60% au déconfinement final, à la période 350, par exemple, ou même 300. OK, je comprends. C'est 60% à peu près de temps à l'extérieur. Puis sinon, si on leur dit à la période 40, là, c'est 65%, 67% peut-être. Il faudrait que j'en vérifie. OK, c'est les petites nuances entre les différentes arrivées ici. OK, je comprends. C'est intéressant, hein? Oui, c'est vrai. Wow! Fait, si on le dit plus tard, les gens vont se déconfiner plus intensément. C'est logique. Voilà. Ben, en tout cas, même si c'était pas logique, c'est ça qui se passe. Voilà. Donc, on va passer à la Saturne. Là, ce qui est le fun, Tammy, c'est qu'on savait dans quel groupe on était. À peu près. Mais là, ici, dans le deuxième papier, qui s'appelle BMM 2023, on le sait pas dans quel scénario on est. On sait pas si on est dans le groupe 1 ou dans le groupe 2. Tu le sais pas, c'est quoi tes risques de sortir? C'est vrai. Tu le sais pas. Dans le fond, là, on a essayé de modéliser le conspirationnisme du mieux qu'on a pu. Mais on sait pas. On le sait pas. Parce qu'il y a des gens qui nous mentent. Il y a des gens qui nous disent pas la vérité. Ouais. Fait qu'on sait pas. Voilà, attendez, je vais juste trouver la bonne feuille. C'est pas fin. Les pas fins. Donc, là, ce qu'on faisait avant, c'est qu'on disait que les individus étaient capables de déduire le taux d'infection avec précision. Là, on dit ça arrive plus, ça. C'est fini. Fait que, on va dire que le taux d'infection n'est pas parfaitement observable dans notre nouveau modèle. Fait que là, ça va être vrai, surtout quand il va y avoir beaucoup d'asymptomatiques. Si on a 80% d'asymptomatiques, on sait pas trop où on est, là. Fait que voilà. Fait que là, qu'est-ce qu'on a d'autre? Fait que, dans le fond, on va analyser le modèle biologique quand les individus savent pas dans les caractéristiques de l'épidémie. Puis ça aussi, c'est très nouveau. Ça arrive pas. On peut passer à la slide suivante. Là, je vous ai épargné les longues équations parce que c'était lourd. Ce que j'ai voulu vous montrer, ce qui est intéressant, puis là, c'est là ici, Tommy. Tu vois, on a sur le premier graphique, quand les gens pensent que l'infection est faible. OK? Le premier graphique, ouais, celui-là. Tu vois, tu as une première vague d'infection. Ouais. Et on en a une deuxième qui apparaît. Il y aurait eu une deuxième vague. Il se crée une deuxième vague parce que les gens se déconfinent. Parce qu'on pense que l'infection n'est pas si forte que ça. Ouais. Plus t'avais tort, plus l'infection... Plus t'as raison... En fait, oui, c'est ça. Quand tu te trompes sur la gravité de l'infection, tu vas avoir une deuxième vague. Ça me semble tout à fait logique, ça aussi. Là. Si on fait attention à tout le monde, on a plus de chances de passer au travers. Oui, sauf que quand tu te déconfines, tout d'un coup, là, il y a plus de gens qui c'est sont ça. Infectés. Ouais. Fait que tu vois, quand tu me disais tantôt, non, mais il y a juste une vague, ouais, non. Ici, on en a une deuxième qui apparaît. C'est intéressant, hein? Effectivement. Voilà. Et là. Celui-là, c'est un article, tu sais, qui a moins de... Ben, je trouve qu'il y a moins d'illustrations, un peu moins d'applications. C'est très, très... c'est des grosses maths théoriques. Fait que c'est pour ça que je vais passer vite sur celui-là, parce que en plus... T'sais, les mères vont toujours dire qu'ils n'ont pas d'enfant préféré. Moi, je suspecte que c'est faux. Parce que sur 3 articles, j'en ai un préféré. Puis là, c'est là qu'on s'en va. Fair enough. Fait que celui-là, c'est mon article solo. Ouh, ton album solo aussi. Ouais. Dans les deux premiers, on disait que dans le fond, on fixait la valeur de T, qui est l'arrivée du vaccin. On se disait le vaccin va arriver à la période 350. Ouais. OK. Là, moi, je me suis dit,
Est-ce que la valeur de T est importante? Est-ce que ça change quelque chose? Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fixé un niveau de confinement. Fait que là, le cas du début, là, j'espère que vous vous en souvenez, le nombre de contacts, je l'ai fixé. T'as fixé j'ai mis, le cas, là. Oui, le nombre de contacts. Et j'ai fait deux scénarios de confinement. Un scénario où le confinement il est temporaire, puis un scénario où le confinement est permanent. OK? Donc, il va y avoir permanent jusqu'à éventuellement une période d'arrivée du vaccin. Okay. Donc, tant que le vaccin n'est pas là, on reste confiné. Okay. Puis sinon, tu sais, à un moment donné, on a un peu de la fatigue de confinement, on est tanné d'être confiné, fait que les gens respectent moins le confinement, puis on se dit, on va arrêter le confinement parce que politiquement, c'est plus difficile à tenir pour le gouvernement. Fait que c'est un peu ça que j'ai essayé d'illustrer par le temporaire. OK. Puis là, on va utiliser le modèle CIR avec la dynamique vitale stationnaire qu'on a vue dès le départ. OK? Oui. On peut passer à la étape suivante. Voilà. Là... Oh. Mais là, remarque, tu sais, tantôt c'était 160 là, la vague. Moi, ouais. Je suis à 20 000. J'en ai mis des périodes, mais pour les fous puis les fins. Okay. L'idée ici, là, ce sur quoi j'ai voulu capitaliser dans cet article-là, c'est le fait que quand on a énormément de périodes, on peut avoir des vagues d'infection. Fait que là, ce qui va arriver, quand on a une dynamique vitale, ce qui va arriver, c'est la petite histoire. Il y a des gens qui vont être infectés. Le bassin de gens susceptibles va diminuer. Là, ça ici, c'est les gens susceptibles. Donc, vous voyez, là, à la période zéro, il y a eu une infection. Fait que là, ça a diminué. Et là, on est arrivé à un niveau très bas de gens susceptibles. Vu qu'ils l'ont tout eu, fait qu'ils étaient tous rendus remis, fait qu'il y avait moins de susceptibles. Voilà. Fait que là, sauf que là, les gens, ils ont fait des bébés. Les bébés, tabarnak. Ils naissent susceptibles dans le modèle. Ben oui, c'est okay? Sûr. Donc, il n'y a pas de transmission verticale de l'infection. Ce qu'on va avoir, c'est tranquillement, pas vite, avec les bébés qui naissent, la population des susceptibles va se refaire, va se recréer, se régénérer. Et on va arriver, ça va continuer comme ça à se régénérer. L'infection aura pas, prendra pas de vigueur, même s'il reste toujours genre tari dans les tunnels. Et éventuellement, là ici, sur la ligne bleue, on voit autour de 5000, je vais dire 5500, 5250, l'infection va revenir. C'est pour ça qu'on a une chute drastique du nombre de personnes susceptibles. Et... après la fin de l'épidémie, quand le virus va retourner se cacher, il va y avoir encore une régénération du bassin susceptible et ainsi de suite. Ça fait des vagues. C'est un phénomène qui a été identifié par Hearn en 2008. Puis c'est vraiment très, très intéressant. Ça a révolutionné un peu la façon dont on pensait. Avant, on pensait que ces vagues-là apparaissaient juste si on les forçait à apparaître. Donc, quand on utilisait le cycle des saisons, quand on utilisait, différents mécanismes. Genre comme la grippe qui revient à chaque hiver, ouais. C'est comme l'explication-là, mais ils ne pensaient pas au fait qu'il y avait des nouveaux humains à contaminer. Mais là, on s'entend que les nouveaux humains, c'est long à arriver. Là. C'est 9 mois d'habitude, là, oui. À moins que tu commandes à une autre place. Mais oui. C'est... mais puis ça, c'est pas dit dans le modèle, mais ça fait partie des hypothèses qu'on peut avoir. T'sais, c'est pas nécessairement des gens qui vont naître, mais ça peut être des gens qui migrent aussi. Tant qu'ils migrent si sans la maladie. Si on vient changer, ouais, le... ouais, je comprends. On peut avoir cette discussion-là. Ouais. Fait que ça, c'est quelque chose. Le fait qu'il y a des vagues, ça veut dire que l'épidémie peut revenir. T'es d'accord? Ça me semble le voit, là, la définition de vague, là, ouais. OK. Fait que là, on va passer à l'acétate suivante. Wow. Ça, c'est la même chose pour les susceptibles. Tu vois, là, ça, c'est sur 40 000. Fait que je l'ai mis encore plus long que l'autre pour bien voir qu'à un moment donné, ça se stabilise. Fait que ça, les infectés, tu vois, là, ils descendent à un niveau très bas, puis là, tranquillement, pas vite, ça remonte, puis là, ça redescend, puis ça remonte, ça redescend. Puis ça, ici, c'est selon 3 scénarios de confinement. Le bleu, c'est 100 confinement. Qui n'est pas de confinement, c'est quand même un scénario de confinement.
Tu vois, les vagues, là, ils montent très, très haut puis ils descendent très, très bas par rapport aux autres. Ouais. Il va y avoir, avec un confinement temporaire faible puis un confinement temporaire élevé. Ben, en fait, élevé, c'est le 0,5 parce que ça, c'est faut y penser en termes de sortie. OK, je comprends. OK. Donc, voilà. Fait que là, on voit, ça va... Il va y avoir des vagues jusqu'à ce que ça se stabilise à l'équilibre. C'est bon? Mm-hmm. On suit? OK, on continue. Ça paraît rapidement, pareil, là. Si je comprends ici, ça veut dire que ceux-là, ils font comme 3 sorties sur 4 de celui-là. Ouais. Puis celle-là ici, il ferait 2 sur 4. Puis check, c'est... Entre le 3 puis le 2, ça paraît vraiment beaucoup, me semble. Oui. Puis là, l'affaire, c'est qu'il va y avoir... ça, c'est... Je veux juste le redire parce que je veux pas avoir l'air malhonnête, mais tu sais, moi, je l'ai calculé avec des périodes en jours. Là. Fait que tu sais, 12 000 jours, c'est beaucoup de jours. Officiel. Sauf que je voulais observer une tendance. Mon plan n'était pas d'avoir un modèle très prédictif, mais c'était un modèle qui allait me montrer des choses... qui allait me permettre de voir certains phénomènes apparaître. Là, ici, ce qu'on observe, tu vois, ça, c'est les nombres de personnes infectées. Ça, c'est les cumulatifs. Fait que si j'ai une personne infectée aujourd'hui puis deux personnes demain, mon nombre cumulatif d'infectés, si c'est des personnes différentes, évidemment, ça va être 3. OK? Ça va jusque là. Fait que ce que... Puis là, évidemment, la population se régénère. J'ai des facteurs autres qui font bouger, mais... Ce qu'on voit, c'est que avec un haut taux de régénération de la population, éventuellement, regardez, au début, quand il n'y a pas de confinement, la ligne bleue est en haut. Fait que là, il y a vraiment, vraiment beaucoup de gens qui sont infectés. T'es d'accord? Avec aucun confinement. Ouais. Après ça, avec un confinement faible, on va avoir beaucoup de gens infectés, mais en dessous, ouais. Quand même de la bleue. Puis avec un confinement qui est quand même... un confinement plus élevé, disons. C'est pas élevé, mais c'est pas... Plus sévère. Oui, plus sévère. Ça va être encore en dessous. La différence, elle score pas mal plus à ce niveau-là. Ah, mais là, attends. Ouais. Regarde bien autour de 4000, qu'est-ce qui arrive. Ben, c'est ça qui est weird. C'est que là, c'était mieux pas de confinement depuis le début, tout ce temps-là. À 4000? No chemtrails. On aurait aimé mieux ne pas avoir été confinés. Avoir su. Fait que là, c'est ça qui est excitant dans cet article. C'est que je montre, mathématiquement évidemment, que si le vaccin arrive à la 4000e période, par exemple, vaut mieux ne pas avoir été confiné ou avoir été confiné avec un confinement à 0,75 que d'avoir été confiné à 0,5. Puis ça, peux-tu retourner en arrière, ça se fait-tu? Ça se montre à cause de l'amplitude des vagues. Éventuellement, on va avoir des vagues d'infection plus rapides. Versus... OK. Peux-tu aller... On peut revenir. Wow. C'est intéressant, hein? Oh, oui, bon, c'est cool. Mais là, il y a la variante du vaccin qui faut pas comme sortir de contexte ce qu'on vient de dire là. Non. On a un confinement qui... stable pendant un certain nombre de périodes, puis après, plus là, ici, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la 4000e période, il n'y a plus de confinement. C'est ça. Mais il n'y en a plus, le confinement temporaire est terminé, il y a eu 300 périodes de confinement au départ, mais ça a un effet, ces 300 périodes-là, pour toujours. On va aller à la étape suivante pour que je puisse vous montrer. Fait que là, ce qu'on voit, ici, ça, c'est la convergence, Tommy, de mes gens, des duos de population. Là, c'est un peu compliqué, mais l'idée, c'est qu'on voit, ça va au même point. Donc, l'équilibre qu'on voyait là, sur la ligne, tu sais, quand ça se stabilisait sur il y a 2 acétates. Oui. Bon, cet équilibre-là est le même. Mais on n'a pas commencé à la même place. Tu vois comment il y a une grosse bédaine sur le bleu, une moyenne bédaine sur le jaune. Fait que ça, c'est le début, quand on était confiné temporairement. OK. Mais au final, on va à la même place. On n'est juste pas parti à la même vitesse. C'est ça. Puis là, je vais te demander d'aller à l'autre pour pouvoir faire la comparaison parce que, à la prochaine acétate, tu vois,
Ça, c'est quand il y a un confinement permanent. Le confinement permanent, les bédaines vont évidemment partir avec le même look que les bédaines oranges de tantôt, les courbes oranges, mais ils ne vont pas se stabiliser à la même place. Donc, en ne se stabilisant pas à la même place, ils vont quand même monter comme une belle petite pente de ski, une pente débutant, une pente expert. Donc, il n'y a pas ça quand on a un confinement permanent. On l'a juste dans le confinement temporaire. Voilà. C'est à cause du fait que ça va au même équilibre, mais que ça ne part pas à la même place qu'à un moment donné. Tu sais, si tu veux qu'on arrive en même temps à la fin d'une course, OK, ça, c'est une bonne analogie, je pense, Tommy. Ah. Fait qu'on part, mais toi, tu pars en retard. Ouais. Mais si on veut arriver en même temps, à même place, il faut que tu cours plus vite. C'est ça. Et voilà. J'ai du rattrapage. T'as du rattrapage à faire. On parle de rattrapage, j'aime ça beaucoup. Hey, j'aime beaucoup ça. Ben, on passe au prochain. Oui, on passe au prochain. J'ai fait que là, plein de belles couleurs en plus. Fait que ça, c'est mon avant-dernier graphique. Préparez-vous. Prenez plein d'intensité du graphique pour ceux qui aiment les graphiques. On voit que, dans le fond, j'ai illustré les périodes en jaune. C'est ce que j'ai appelé les Swedish Paradox. Okay. Qui est le fait de ne pas confiner est mieux que confiner temporairement pour certaines situations. Et c'est ce qu'on voit. Donc, les périodes, là, ici, je pense que c'est 4000, peut-être 3800, jusqu'à 6000. On aurait, si le vaccin arrive dans cette période-là, dans une des barres jaunes, on aurait fait mieux de ne pas confiner. Ah, je comprends. T'as sorti les intervalles de... Oui, j'ai sorti les intervalles où tout ça aurait été mieux. En fonction du vaccin, finalement. Okay, ouais, okay, pour me demander... Puis sauf que, tu vois, c'est intermittent. Oui. Parce que entre... Et là, je vais dire 6500 et 7000. Là, c'était correct. On c'était bien confiné. C'était bien confiné. Là, après ça, on a une autre période jaune où on aurait été mieux de pas confiner. Hein? Puis finalement, une autre période blanche, on aurait été mieux de confiner. C'est comme des stores verticaux. Oui, puis c'est éternel. Ouais. Ça se stabilise, puis là, on était mieux de confiner. À la fin, au final, c'est fini qu'on était mieux de confiner. Oui. Wow. Mais ça, c'est si tu atteins 40 000 périodes. Oui, ouais, c'est ça. Ça fait comme 120 ans qu'on est avec le même... Ouais, je comprends. Wow. Voilà. C'est-tu que c'est dense? C'est intéressant. Mais là, vous vous dites, mais là, 5 000 périodes, c'est bien long. C'est 12 ans. C'est ça. Mais attends, là, on va revenir, on va aller à la prochaine acétale. Là, je vous parle déjà de mes prochains articles. Prophète-en, Stier, on est en train de regarder ton show solo. Voilà. Fait que là, l'idée, c'est que c'est le même graphique que tantôt, j'ai juste descendu un petit peu les infectés, parce que les remove peuvent redevenir susceptibles. Ah, ben oui, avec la COVID, on peut la pogner plus qu'une fois, là. Oui. C'est que l'immunité est décroissante. Waning immunity. Fait qu'éventuellement, au fil des jours, on perd notre immunité à l'infection. Ouais. Donc, ça va faire que les vagues vont être différentes. T'es-tu prêt, Tommy? On va regarder les vagues. Je suis prêt. Bring the waves. Je pense que j'ai... Dominic and the waves. J'ai menti, il reste un autre graphique après. Ah non, c'est le seul, OK. Fait que tu vois, on a des vagues qui sont déjà moins brutes que tantôt. Puis, à ce moment-là, si on a de l'immunité décroissante, on a juste dans ce scénario-là, évidemment, avec les paramètres que j'ai utilisés, qui sont les paramètres de la COVID, on avait juste une période entre... Écoute, j'ai envie de vous dire 400 et 550, où on aurait été mieux de ne pas confiner. Mais pour tout le reste, on est mieux de confiner. Pour la COVID, selon ce qu'on avait là. Oui, selon les paramètres que j'ai. Puis ça a pris quoi? Ça a pris 350 périodes, finalement, que tu avais. OK. Fait qu'on a été correct. Mais si, dans le fond, si le vaccin était arrivé à la période 500, là, on aurait eu plus de gens infectés avec la COVID qu'avec le confinement temporaire que pas de confinement. OK. Wow, hein? C'est donc bien weird, ça. Aïe, il y a une chance, hein? Sinon, ça leur aurait donné de quoi chioler encore plus. Il n'aurait pas su le calculer, t'as. Ouais, non, c'est ça. Oh là 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 là. Aïe, c'est donc bien deep, hein? C'est intéressant, cool. Hein? Ben, ouais, vraiment. C'est pour ça que c'est mon article préféré, parce qu'il est vraiment cool, puis il y a des belles couleurs. Ben oui, j'aime beaucoup les stars verticaux, puis ça en dit long aussi sur le simple fait à quel point c'est compliqué, ces affaires-là, l'épidémiologie, là, tu peux pas... Non, puis c'est pour ça que quand j'entendais dans les médias, puis ça me mettait, ceux qui me connaissent personnellement, ça me mettait le feu au popotin. Quand j'entendais des trucs absolus, ah ouais, non, il n'y a jamais eu de deuxième vague.
Il y en a dans des graphiques. Depuis au moins 2008, on sait qu'il peut y avoir des deuxièmes vagues facilement, mathématiquement, selon certains paramètres. Après ça, genre, le vaccin, tu sais, il est arrivé trop vite, pas assez vite. Oui, on a tout passé par là. Moi depuis une couple de graphiques, je pense à André Pitre, quand on avait comme un peu debunké sa bullshit, sa lecture des chiffres avec Ian Becker il y a quelques mois. Puis je l'imagine face à cette haute voltige-là, citoyenniser le shit all the way. Ça m'amuse. Ça m'amuse beaucoup. Fait que je vous remercie de m'avoir... Tu peux passer à la statue suivante. De m'avoir permis de vous présenter ma thèse. Oh, pour vrai, c'est mon petit bébé. J'ai passé 10 ans à faire ça. Hey, hein, mais ça, c'était deep en crise. Un petit merci à JF par la bande oui, aussi. Oui, merci JF. Pour fait que là, ça veut dire que son programme qu'il a créé peut servir à modéliser d'autres pandémies dans le futur puis tout le reste. Oui. Aïe, aïe, en crise. Wow. Ouais. Voilà, mais donc, puis je pense que je vais vous le dire maintenant, là, c'est quoi la petite histoire de pourquoi j'ai été à la Sorbonne. OK. Moi, j'ai commencé mon doctorat à l'Université de Montréal en 2012. Puis, ça s'est mal passé. J'étais pas sûre. En fait, c'est un peu ça qui est arrivé. Moi, j'ai fait mon bac, j'ai fait ma maîtrise. Puis là, je suis rentrée au doctorat d'office. Comme ça, juste parce que c'était le chemin normal, j'avais les notes, puis... Mais j'étais pas sûre que j'aimais ça. Fait que quand t'es pas sûre d'aimer quelque chose, c'est vraiment, vraiment difficile d'être motivé. Ça me semble logique. Donc, ça a pas bien été. J'ai échoué un examen, puis ben, quand t'échoues un examen au doctorat, t'es mis dehors. Donc, j'ai été mis dehors du doctorat à l'Université de Montréal. Puis, je me suis impliquée dans les associations étudiantes avec la FECUM. Sérieusement, j'ai eu vraiment beaucoup de fun. C'était durant le... Ben, c'est ça que j'étais pour dire. C'était les grosses années pour s'impliquer politiquement. C'était les grosses années, ouais. C'était 2011-2013. Fait que c'était vraiment les grosses années. Puis, quand j'ai présenté mon dossier à la Sorbonne, avec mon implication politique dedans, ça a passé, comme dirait un de mes amis, ça a passé crème. Ils ont fait « OK, parfait, viens-t'en avec nous. » Donc, c'est pour ça que je suis à la Sorbonne. C'est parce que j'ai été mis dehors de l'Université de Montréal. Ben, c'est quand même... Écoute, je trouve que c'est une bonne raison. Puis, t'sais, sérieusement, quand quelque chose marche pas, ça veut pas dire que c'est la fin. Ben non, des fois, ben faut juste essayer autre chose. Ça me fait penser à la mouche qui essaie de passer dans la fenêtre, là, puis qu'il y a un carreau qui est ouvert juste à côté. Là. Des fois, essayer autre chose. Gigi nous dit Bûcheron. Effectivement, merci. De la petite anecdote, il reste un clip de 18 minutes. Oui, là, dans le fond, parce que c'est quand même aride, là. Je vais être honnête avec vous. Je le préparais, je me disais, les gens vont me détester, ils vont demander à Tommy de plus jamais me réinviter. Mais encore une fois, juste parce que je me souviens pas de leur nom. C'est quoi le indice alpha? C'est leur nom de je l'ai dit. Ce qu'on a vu tantôt, ouais. C'était... voyons, c'est donc ben niaiseux. Je devrais l'avoir encore ici. Écoutez-moi. Risque alpha. Je vous remets le lien. Risque alpha ont un super beau petit truc sur Florence Nightingale, qui est une des premières... C'est une infirmière qui a fait de l'épidémiologie puis qui... Ses travaux ont servi à quelque chose, à sauver des vies. Fait que je voulais vous montrer que ça existait. Puis en plus, une femme... Oh, on aime ça, valoriser les madames, les héroïnes du passé. Voilà, fait que je voudrais vous montrer ça avant de partir. Ben, parfait, on écoute ça, puis on se rejase de l'autre côté. Dis-moi, mec, t'es méchant qui font des statistiques, là, Jon Snow, Semmelweis, Sinn et compagnie. Bon, en fait, il n'y en a aucun qui a jamais convaincu personne de son vivant. C'est vrai qu'au 19e, c'était pas facile. Hein? Ok, mais il n'y en a pas un, à un moment donné qui est arrivé, qui a posé ses couilles sur la table et qui a mis tout le monde d'accord avec des statistiques. Si d'une certaine façon, il y a quelqu'un. Ah bah voilà, oh, je l'imagine tout de suite le bonhomme. Badass, charismatique, il arrive, il pose ses stats et bim, tout le monde est d'accord. J'aurais pas dit ça comme ça, personnellement. Ah, oh, bon, d'accord. Bah alors il s'appelle comment, ton tout bébé héroïque? Elle s'appelait Florence Nightingale. Et elle était infirmière. En 1536, Henri VIII, roi d'Angleterre, détache la religion de son pays de l'Église catholique romaine. Et ce, pour de multiples raisons.
Notamment le fait que sa femme, qui est la veuve de son frère, ne lui donne pas de fils, et que du coup il aimerait bien pouvoir épouser la petite sœur de son ex-maîtresse, mais que le pape, bah, il est pas super chaud. Bref, l'histoire. Parmi les nombreuses conséquences de la réforme, Henri VIII décide de dissoudre les monastères sur tout le territoire anglais. Et du coup, il se passe plusieurs choses. Bon, déjà il se fait excommunier, t'es mignon Henri, mais bon, le pape c'est pas Joël Rigolo non plus, hein. Et surtout, la fermeture des monastères provoque la fermeture des hospices de pauvres. En effet, à cette époque, et sans rentrer trop dans les détails de l'organisation sociale anglaise de l'époque, les plus pauvres ou les malades pouvaient être logés et traités dans des almshouses, hospices de pauvres, au sein des monastères ou gérés par eux. Et ces pauvres, ils sont souvent soignés par des nonnes qui servent d'infirmières. Et plus de monastères, plus d'hospices. Mais du coup, qui s'occupe des malades, des pauvres et des orphelins ? Eh bien, il se crée progressivement une profession d'infirmière non religieuse, fonctionnant avec les structures de soins dédiées aux pauvres restantes. Notamment ce que l'on appelle des workhouses. Et ces infirmières, bah, elles ont une sale réputation, une réputation vraiment moche. En gros, ce sont des putes, débiles, alcooliques et violentes. Ouais, c'est vraiment ce genre de choses que l'on peut lire sur elles jusqu'au début du 19e siècle. Alors, pourquoi une telle réputation ? Bon, déjà, la place de la femme de bonne famille dans l'Angleterre protestante, c'est pas de travailler. Et si elle travaille, c'est sûrement pas au contact de corps d'étrangers. Donc, de base, celles qui font cette activité, c'est des pouilleuses. En plus de ça, elles sont forcément débiles, sinon elles feraient un métier plus respectable. Elles sont obligatoirement en mauvaise santé car elles sont en contact étroit et intime avec des malades. Et du coup, pour pouvoir supporter de telles conditions de vie, elles abusent grave de l'alcool. Et pour la réputation de prostituée, eh bien, je vous propose de réécouter tout ce que je viens de dire et de vous demander à quel autre stéréotype ça colle bien. Et c'est dans ce contexte qu'on peut parler de notre superstar du jour, Florence Nightingale. Née en 1820 d'une famille ultra-bourgeoise anglaise, Florence reçoit une éducation aux petits oignons. Elle apprend l'histoire, la philosophie, les mathématiques, et elle parle rapidement plusieurs langues. Notez que ce n'est pas habituel au 19e siècle. En général, les femmes de bonne famille, on les éduque pas trop. En 1837, alors qu'elle a 16 ans, une épidémie de grippe frappe le sud de l'Angleterre. Et n'étant pas tombée malade, elle s'occupe et soigne plusieurs membres de son entourage. L'exercice lui plaît, et elle décide d'en faire sa vie. Ça est aussi le fait qu'elle a entendu la voix de Dieu. Dieu m'a parlé et m'a appelé à son service. Pendant quelques années, elle voyage, participe à des petites réceptions mondaines organisées par ses parents où elle rencontre des gens parfaitement inintéressants du genre Ada Lovelace, Charles Darwin. En 1845, Florence annonce officiellement à ses parents qu'elle souhaite devenir infirmière. Et autant vous le dire franchement, les parents Nightingale, ils sont pas super chauds pour rapport à la réputation, tout ça, tout ça. Après une phase de négociation et une série de voyages, elle devient en 1853 surintendante à l'Institute for the Care of Sick Gentlewomen, un hôpital dédié aux femmes à Londres. Elle y fait bien les choses et y apporte ses talents d'administratrice qui lui permettent de réorganiser l'hôpital. Du coup, les patientes ont maintenant de l'eau chaude, une nourriture de qualité, etc. Tant et si bien qu'elle acquiert dans cet hôpital une solide réputation et pas d'alcoolique cette fois. En 1853 éclate aussi la guerre de Crimée, qui oppose plusieurs pays occidentaux, dont l'Angleterre et la France, à la Russie. Cette guerre, qui a lieu à peu près dans ce coin-là, est souvent considérée comme la première des guerres modernes, préfigurant ce que sera la Première Guerre mondiale quelques décennies plus tard. L'une des caractéristiques de cette guerre, c'est qu'elle ne fut pas super préparée d'un point de vue logistique par les Anglais. Et le résultat fut que les pertes en vie humaine étaient bien plus causées par ce que l'on appelle aujourd'hui les maladies infectieuses que par les combats. Autant vous dire tout de suite que c'était vraiment pas brillant. Mais en plus, pas de bol, les citoyens anglais sont au courant de la situation de leur armée. Car autre nouveauté de la Crimée, c'est la présence sur place des premiers correspondants de guerre, comme William Howard Russell, qui raconte par télégramme les vraies conditions de vie des soldats. Un peu différentes de ce que racontaient les autorités militaires. Évidemment. Devant cette situation, Nightingale se porte volontaire pour se rendre en Crimée afin de s'occuper des blessés. Jouant de ses relations, elle réussit à partir en novembre 1854 avec une équipe de 38 infirmières à l'hôpital de Scutari. La situation qu'elle y découvre est absolument atroce. Les blessés vivent dans des conditions extrêmement précaires. Les draps des malades sont dégueux, souvent pleins de poux, les pansements sont peu ou pas changés, les patients vivent dans des couloirs insalubres, rien n'est prévu pour leur faire à manger correctement, l'hygiène est déplorable, les toilettes sont bouchées et rien n'est aéré. Ce qui, dans un monde considérant la théorie des miasmes comme valide, n'est vraiment, vraiment pas recommandé. Malgré l'opposition de certains officiers, Nightingale va réorganiser tout l'hôpital. Parfois à ses frais. Elle fait fabriquer de nouvelles fenêtres, demande des travaux. Son équipe d'infirmières va organiser des lessives, du nettoyage, des changements de pansements, améliorer globalement les conditions de vie des patients en les lavant, en leur donnant correctement à manger, en ne mélangeant pas les vêtements et en prenant soin d'eux
jour. C'est incroyable, hein? Probablement la plus importante avancée médicale de tous les temps. Car elle visitait les malades la nuit, éclairée de sa seule lampe. Elle va également contacter les familles des défunts, leur envoyant des lettres expliquant les causes de décès et leurs derniers effets personnels. La réputation de Nightingale auprès des soldats est absolument ahurissante. Il est même dit que certains embrassaient son ombre quand elle passait dans les couloirs. Et en Angleterre, elle devient littéralement l'une des premières stars de l'histoire. Elle apparaît dans des journaux, on fait des posters sur elle, il se vend même des putains de figurines d'elle. En plein milieu du 19e, quand elle quitte la Crimée en 1856, la mortalité de Scutari est passée de 42% à seulement 2%. De retour, Florence Nightingale est sans doute la deuxième femme la plus connue d'Angleterre après la reine Victoria. Pourtant, cette célébrité ne lui plaît vraiment pas. Elle se déplace sous pseudonyme, Mademoiselle Smith, pour ne pas être connue. Pour elle, la Crimée restera un échec si les réformes hospitalières qu'elle y a faites ne sont pas comprises et potentiellement reproduites. Bon, tout ça, c'est la partie de l'histoire la plus connue. C'est celle qui a construit le mythe de Nightingale. Mais maintenant, on va voir ensemble la partie, à mon avis, réellement intéressante. À partir de 1856, Nightingale a à cœur de comprendre les causes de l'incroyable surmortalité à Scutari. Elle décide pour ça de se la jouer Jon Snow. Elle va faire des statistiques. Grâce à ce qu'il convient aujourd'hui d'appeler un lobbying, elle convainc le gouvernement d'ouvrir la Royal Commission into the Earth of the Army pour comprendre ce qui s'est passé en Crimée. Elle se rapproche pour cela du taulier des statistiques médicales anglaises de l'époque, William Farr. Oui, c'est bien le même Farr qui n'était pas d'accord avec Jon Snow au sujet du choléra. Et Farr lui dit texto, « Meuf, tes impressions, on s'en bat les couilles, on veut des faits. » Traduction personnelle de « We do not want impressions, we want facts. » En quelques mois, elle va rédiger un rapport de plus de 800 pages, et avec l'aide de Farr, elle va y faire des statistiques. Beaucoup de statistiques et de tableaux. Et pour résumer, voilà ses conclusions. Les décès dans les hôpitaux en Crimée étaient principalement causés par des maladies zymotiques. C'est comme ça qu'on appelait les maladies infectieuses, même si on ne savait pas encore ce que c'était. Et certainement pas par les blessures liées au combat. Les causes de ces maladies étaient certainement un manque d'hygiène. La mortalité dans les hôpitaux de Scutari a fini par diminuer et par égaler celle des hôpitaux militaires londoniens. Ce qui prouve que les conditions étaient améliorables. Pour résumer ses conclusions, elle écrira « Trois choses ont détruit l'armée en Crimée. L'ignorance, l'incompétence et les règles inutiles. » Pour démontrer tout cela, Nightingale donne des faits statistiques. Elle analyse les causes de décès, regarde comment les taux de mortalité ont évolué, etc. Elle remarque notamment que la mortalité a énormément baissé après le passage de la commission sanitaire en 1855, qui avait débouché les toilettes, amélioré la ventilation et surtout dégagé des carcasses d'animaux morts qui bloquaient l'arrivée d'eau de l'hôpital. Notamment les cadavres de chevaux, c'est pour vous dire. Elle va aussi faire des comparaisons ingénieuses en utilisant des groupes contrôles bien choisis. Par exemple, elle compare de petites structures de soins près du front, en général plus propres, mais avec des soldats plus graves, et montre que le taux de décès y est de 27 pour 1000, contre 427 pour 1000 à Scutari quand elle y est arrivée. Alors que c'est des patients plus graves. Ça montre bien qu'il y avait un problème. Déjà ça, ça fait de Nightingale une excellente épidémiologiste. Mais elle va encore plus loin. Pour William Farr, les statistiques doivent être la lecture la plus aride et sèche qui existe. Mais Nightingale sait que pour faire passer des messages politiques clairs, il faut des représentations graphiques percutantes. Alors elle innove. Au début du 19e siècle, le statisticien William Playfair avait déjà inventé des représentations graphiques célèbres comme le diagramme en barre et les diagrammes circulaires. Et pour être percutante, Nightingale elle va utiliser sa version, ce que l'on va appeler les coxcombes, ou crêtes de coq. Ces graphiques ne sont pas très compliqués à comprendre et sont en plus assez jolis. Un espace circulaire est découpé en 12 parties, comme 12 parts de gâteau ou 12 heures d'une pendule, chaque morceau représentant un mois de l'année. Ensuite, pour chacun des mois, on dessine des morceaux de gâteau de tailles différentes, dont l'air est proportionnel au taux de décès. Plus la part est grande, plus le taux de décès est grand. Pour rendre les choses encore plus claires, Nightingale représente les causes de décès avec des couleurs différentes. Rouge pour les blessures de guerre, noir pour les maladies diverses et bleu pour les maladies évitables dites zymotiques. Voyons ce que montre le plus célèbre coxcomb de Nightingale. Dès juillet 1854, on peut voir que la mortalité est massivement causée par les maladies zymotiques, en bleu. La situation empirant particulièrement en janvier et février 1855. En mars, la commission sanitaire passe pour retirer les carcasses de chevaux de l'arrivée d'eau. Et comme on a fait une boucle complète, on reprend un côté sur un nouveau graphe. La situation s'améliore alors pour qu'à partir de juillet 1855, les maladies zymotiques ne soient plus les premières causes de décès. Et voilà, entre ses super graphiques, ses statistiques impeccables et son statut de star,
Eh bien, le gouvernement anglais, il va rapidement écouter Nightingale, contrairement à Jon Snow ou à Semmelweis. Et en quelques années, elle va devenir une figure extrêmement importante de la santé publique anglaise. Et là, accrochez-vous, parce que sa carrière, c'est... Elle va créer littéralement la profession d'infirmière moderne, en publiant Notes on Nursing en 1859, et en ouvrant une école infirmière, la Nightingale Training School, à l'hôpital Saint-Thomas en 1860. Et attention, pour elle, c'est un métier particulier avec une réelle expertise scientifique. Elle va également faire un incroyable travail de politicienne de l'ombre, un réel lobbying pour réorganiser les workhouses et le système de soins anglais. Elle est aussi l'une des réformatrices à l'origine de l'architecture dite en pavillon des hôpitaux, avec des services séparés pour éviter les transmissions des maladies. Elle va réclamer que les diagnostics et les causes de décès soient systématiquement relevés dans les hôpitaux, conduisant à ce qui deviendra quelques années plus tard la classification internationale des maladies. On aura l'occasion d'en reparler. Elle publiera un nombre d'ouvrages absolument incroyables s'intéressant à l'analyse de la mortalité parmi les indigènes en Inde, des femmes enceintes, un peu comme Semmelweis. Elle recevra de la reine Victoria la Royal Red Cross, mais aussi l'Ordre du Mérite, et elle sera la première femme au monde à devenir membre de la Royal Statistical Society. Elle enseignera Linda Richards, la fondatrice de la profession moderne d'infirmière aux États-Unis et au Japon. Henri Dunant, papa de la Croix-Rouge et de la Convention de Genève, prix Nobel de la paix, dira littéralement que le mérite de la Convention revient à Nightingale, qui l'a beaucoup inspirée. C'est aussi une figure du féminisme anglais du 19e siècle. Le fait qu'elle ait créé une profession scientifique féminine dans l'Angleterre du 19e, déjà, c'est pas rien. Mais on peut retrouver également dans son essai Cassandra, par exemple, sa désolation concernant la place des femmes dans la société, notamment la société bourgeoise, et de l'oisiveté dans laquelle elles vivent. Et puis, tout simplement sa vie, quoi. Et bien évidemment, elle va poursuivre ses travaux sur les hôpitaux militaires avec un talent indéniable pour expliquer avec verve et clarté ce que les statistiques veulent dire. Dans l'épisode sur les anecdotes, je vous ai dit que les statistiques et les tableaux en général, c'était pas super convaincant. Écoutez comment Nightingale, elle, explique les choses. Il est criminel d'accepter une mortalité de 20 pour 1000 dans l'armée anglaise en temps de paix, alors que celle des civils est seulement de 11 pour 1000. Vous pourriez tout autant prendre un millier de jeunes hommes tous les ans et les fusiller directement dans la plaine de Salisbury, cela reviendrait exactement au même. Je ne pense pas qu'on puisse faire plus clair que ça. Voilà, alors que faut-il retenir de Florence Nightingale? Sa dévotion, ok, la création de la profession d'infirmière, évidemment. Mais il serait dommage d'en rester là et de négliger l'énorme influence qu'elle a pu avoir sur la santé publique et sur l'evidence-based medicine. En montrant au passage qu'il n'est pas nécessaire ni d'être un homme, ni d'être un médecin pour en faire. Avant de vous laisser à la fin de la vidéo avec un petit souvenir audio de Nightingale, quelques petites notes pour finir. La guerre de Crimée, de par son horreur, a été l'occasion de voir des grandes figures de la médecine apparaître. Notamment, on aurait pu également parler de Mary Seacole, qui, si elle n'a pas été une statisticienne ensuite dans sa vie, a aussi été une infirmière pionnière en Crimée. On pourrait aussi parler de Nikolai Pirogov, un des premiers chirurgiens de bataille présent sur le front du côté des Russes. Florence Nightingale était une indécrottable de la théorie des miasmes, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais vraiment lâché l'idée que les maladies soient dues à quelque chose dans l'air, et pas une transmission à cause de microbes, comme William Farr a fini par contre, lui, le reconnaître, en étant convaincu par ce que Snow a réussi à montrer. C'était presque devenu un sujet de blague dans les correspondances entre Farr et Nightingale. Et en même temps, ça montre quelque chose d'intéressant, c'est que Nightingale faisait partie de ce qu'on appelle des hygiénistes, et que l'hygiénisme, en nettoyant les sources d'eau, en aérant les pièces, en séparant les malades, on enlève-tu les cadavres de cheval pourrissant dedans le puits. Mais en fait, ça marchait aussi sur les maladies transmissibles, et ça marchait aussi sur les microbes. Exactement. Donc ça les a pas aidés d'ailleurs à lâcher l'idée des miasmes. Au sujet des coxcombes, là, les crêtes de coq. Bon, Nightingale, elle a jamais appelé ça coxcombe. En fait, ce qu'elle appelait coxcombe, c'était des petits feuillets, des petits suppléments qu'elle distribuait en plus de ses grands rapports statistiques. Elle appelait ça crête de coq pour dire qu'en fait, c'était le petit truc en plus qui était très voyant, qui était très coloré, afin de mieux comprendre les suppléments. Au fur et à mesure, on a fini par appeler les diagrammes des coxcombes et on continue d'appeler ça aujourd'hui. Également, pas mal de gens disent que c'est Nightingale qui les a inventés. Ce n'est pas vrai. C'est André-Michel Guéry, un statisticien français, un des pères de la statistique morale, qui a utilisé pour la première fois ces graphiques. En parlant de statistique morale, il s'avère qu'il n'y avait pas que André-Michel Guéry, mais aussi, je vous en ai parlé dans l'épisode précédent sur l'IMC, Adolphe Quételet. Et Nightingale était une véritable fan de Adolphe Quételet. On a retrouvé plusieurs de ses bouquins dans lesquels elle avait écrit des tas d'annotations.
On pourrait se poser la question de pourquoi en France, Florence Nightingale n'est pas si connue que ça. Dans la culture anglophone, elle est super présente. Hein. On en parle dans Buffy, dans Star Trek, on parle de l'effet Nightingale dans Retour vers le futur. C'est l'effet Florence Nightingale. Elle est l'héroïne d'un manga. Enfin, je veux dire, elle a même été sur des billets de banque. Alors pourquoi ? Je pense que c'est parce qu'en France, on n'est jamais devenu protestant. On n'a jamais fermé les institutions religieuses qui s'occupaient des malades. Et on a toujours eu un certain type de nonnes, qu'on appelait notamment les filles de la charité de Saint-Vincent-de-Paul, qui s'occupaient très bien des malades. Tant et si bien que pendant la guerre de Crimée, le Times avait publié un titre en demandant « Pourquoi l'Angleterre n'avait pas ses filles de la charité ?» En parlant de culture populaire, vous avez peut-être déjà croisé Florence Nightingale dans des jeux vidéo. Elle apparaît certes comme trophée dans des jeux comme Worms, mais elle est surtout un PNJ dans Assassin's Creed Syndicate. C'est plutôt thématique d'ailleurs parce que Benjamin de Nota Bene fait en ce moment une série de vidéos hyper intéressantes sur le rapport entre l'histoire et les jeux vidéo. Bien évidemment, la Nightingale de Assassin's Creed n'est pas tout à fait comme la vraie Nightingale. Et en parlant d'histoire, figurez-vous que c'est une discipline quand même sacrément compliquée. Tout dépend un peu des sources que vous avez pour réussir à raconter l'histoire de quelqu'un. Alors, dans le cas de Nightingale, on a énormément de matière parce qu'elle a écrit beaucoup. Elle avait beaucoup de correspondances avec William Farr, mais aussi avec plein d'autres personnes, sans compter ce qu'elle a écrit en travaux statistiques divers. Du coup, pour se faire une idée, eh bien, il faut éplucher tout ça, et c'est un vrai travail. Et du coup, ben, il y a différents sons de cloche selon les historiens. Par exemple, vous avez Hugh Small et Lynn MacDonald qui ont des avis parfois assez divergents sur comment elle a vécu et sur certains éléments historiques, notamment à Scutari. Personnellement, je vous mets des liens dans la description, je trouve que la version de MacDonald est plus cohérente. Il existe aussi parfois quelques critiques au sujet du féminisme de Nightingale. Alors, pas de sa figure en tant que féministe, parce que, bordel, sa vie est suffisante. Mais disons qu'elle avait quand même une vision très religieuse de la profession d'infirmière. Et je sais pas au final si elle demandait à ses étudiantes d'être vierges, mais faut reconnaître qu'elle était extrêmement normative sur la morale que devaient avoir ses étudiantes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager ou à laisser des commentaires. Je vous laisse maintenant sur un enregistrement de la voix de Florence Nightingale, enregistré il y a bientôt 130 ans, en 1890, sur un cylindre phonographique. Moi, personnellement, notamment avec ce qu'elle raconte, ça me fait quand même de l'effet. Un enregistrement de 130 ans. Tabarnak, mais hein, que c'est impressionnant. Merci beaucoup, Dominique Barry-Tremblay. Ben, merci à vous. C'est bien plaisant de t'avoir revu pour ça aussi. Félicitations pour toutes tes aventures de cet été. Et voilà, l'accouchement de la thèse et le reste, c'est très apprécié. Est-ce qu'on invite les gens à te suivre quelque part sur les réseaux sociaux? Il me semble que non. Hein. Ben, écoute, si vous vous intéressez au tricot, c'est pas mal de ça que parlent mes médias sociaux personnellement. Voilà. J'ai une chaîne YouTube de tricot. Hein, pour vrai, je ne savais pas ça. Ouais, j'ai commencé ça. Ben là, faut partager le lien dans le chat. Va chercher ça, Colin. Okay, je vais le trouver, Merci beaucoup à elle. On n'a pas fini l'addendum. Nous, il nous reste encore des clips et le reste de l'autre côté. On va écouter une version live d'une chanson que j'aime beaucoup ces temps-ci, White Hot de Red Rider. Merci d'être à l'addendum au Mercron. Puis 151, Jean-Jacques Rousseau du contrat social. C'est nono. C'est très drôle. Je vais vous laisser tout seul avec Tom Cochran et Red Rider. On se rejoint dans 6 minutes.